Bonsoir à tous, bonsoir à tous frères et sœurs. Je bénis le Seigneur pour ce moment, papa. Je te prie, papa, de prendre le contrôle, papa, de ce moment, papa. De nous aider, papa, de m'aider, papa, à donner le message, Seigneur mon roi, que tu veux délivrer, papa, à tes enfants, papa, qui souffrent, père, qui sont dans la confusion, Seigneur mon roi, qui sont manipulés, qui sont, papa, manipulés par les fausses prophéties. Seigneur mon roi, je te prie, papa, de me donner, papa, les mots qu'il faut, papa, par rapport à cette pensée, papa, que tu m'as communiqué, papa, Seigneur, au nom puissant de Yeshua de Nazareth. Donc alors pour ceux qui se convertiront ou ceux qui se sont convertis récemment, Yeshua, c'est le nom de Jésus-Christ, tout simplement en hébreu. Donc ce soir, nous voulons parler des fausses prophéties pour manipuler le peuple du Seigneur, frères et sœurs. Donc vous n'êtes pas censé savoir, voilà, pour ceux qui sont certainement au courant. Donc on ne va pas revenir sur quoi que ce soit, rassurez-vous. Voilà, parce qu'on a fait ce qu'il fallait faire, on a exposé ce qu'il fallait exposer. Et quand même, vous avez pu voir encore le mensonge qui continue à se distiller. Et là, c'est le chaos. Là, c'est le diable lui-même qui est assis. Dans laquelle il y a le mensonge, il y a le diable. Donc, qu'on ne soit pas surpris par rapport à ça, frères et sœurs. Car la parole nous dit que le père du mensonge, c'est le diable. Donc, s'il fallait encore qu'on ressorte encore, qu'on dénonce encore tous les mensonges qui sont encore dites, frères et sœurs, je crois que les inconvertis, même, on pourrait même les perdre dans tout ça. Donc je crois que ce qui a été fait est fait, et si c'est à refaire, ben on le refera encore, parce que le Seigneur est pour la vérité. Le Seigneur n'est pas pour le mensonge, il n'est pas pour les ténèbres, il est pour la vérité. Donc si c'est à refaire, frères et sœurs, c'est sans hésiter que nous le referions, pour que les frères et sœurs soient de plus en plus éclairés. Et c'est le cas aujourd'hui. Je bénis le Seigneur pour tous ceux qui ont envoyé des mails de nouveau, tout c'est, en fait c'est grave. Donc vous avez vu par vous-même, frères et sœurs, donc nous on a fait notre part. Voilà, et nous sommes dans un temps où le Seigneur dit « Qui enverrai-je ? » Qui enverrai-je pour prêcher sa parole, et qui enverrai-je aussi, je dirais, même pour parler et dénoncer le mal qui se fait aujourd'hui dans l'église, frères et sœurs. Et je crois que beaucoup de chrétiens ont réalisé ces choses, ont compris qu'il y a un problème, frères et sœurs, et je bénis le Seigneur. Donc rassurez-vous, frères et sœurs, je vous mets la parenthèse, rassurez-vous, nous sommes dans la paix, nous sommes dans la joie, je vous rassure, et ils ne sont pas là à ouvrir nos oreilles à tout ce qui est dit, je vous assure. Donc rassurez-vous par rapport à ça. Mais c'est sûr que vous avez encore vu le mensonge, mensonge sur mensonge. Et le problème de l'église aujourd'hui, frères et sœurs, c'est que beaucoup sont dans le mensonge. Et ça, on va le dénoncer haut et fort encore, frères et sœurs, parce que le Seigneur nous dit que dans la Bible que la vérité, vous connaîtrez la vérité et la vérité vous affranchira. Nous sommes dans ce temps, frères et sœurs, où nous devons connaître la vérité. Nous devons connaître Jésus-Christ de Nazareth, oui, frères et sœurs, le Seigneur. Et aussi sortir de tout ce qui ne glorifie pas le Seigneur. Parce qu'il revient et il veut te mettre à part pour te purifier, pour te nettoyer, pour te sanctifier, parce qu'il revient. Et je crois que le Seigneur, dans ces temps de la fin, frères et sœurs, va de plus en plus susciter des hommes et des femmes qui vont parler, frères et sœurs, dénoncer, frères et sœurs, tout ce qui se fait dans l'église aujourd'hui, mes amis. Nous ne sommes pas les seuls. Ah non, mes amis. Donc, s'il fallait encore refaire, encore tout dénoncer, on va le refaire, mes amis. Vous comprenez, frères et sœurs? Parce que nous sommes convertis pour plaire à l'agneau. On ne s'est pas convertis pour plaire à une église, pour plaire à une communauté. Nous sommes convertis pour plaire au Sauveur, au Seigneur, Jésus-Christ de Nazareth, qui est mort sur la croix pour nos péchés. Et il est justice, mes amis. Donc ce soir, on aimerait encourager les chrétiens qui ont été manipulés par les fausses prophéties, qui ont été détruits aussi par les fausses prophéties, qui sont aujourd'hui paralysés et qui n'osent plus parler, mes amis. J'aimerais te dire que le Seigneur est fidèle. J'aimerais te dire que le Seigneur est en train de te justifier. J'aimerais te dire que le Seigneur a son regard posé sur toi, toi qui es son église, toi qui es son peuple, qui refuse de pratiquer le péché, qui refuse de se compromettre. J'aimerais te dire que la gloire du Seigneur est sur ta vie. La gloire du Seigneur est sur l'église, mes amis. Alléluia, frères et sœurs. Alléluia, mes amis. Waouh, 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 waouh. Donc là, nous sommes encore en Guadeloupe, hein, pour information. La mission se termine très, très prochainement. Et si le Seigneur permet, ben, il y aura certainement quelques vidéos dans les prochains jours, si le Seigneur nous permet. Donc, je bénis le Seigneur pour nos frères et sœurs de la Guadeloupe, qui sont debout, frères et sœurs. Voilà, il y a un peuple du Seigneur qui aime Jésus, qui aime la vérité, qui aime la sanctification, qui ne sont pas dans la compromission et qui veulent du Seigneur. Et je crois que la Guadeloupe, frères et sœurs, la Caraïbe, la Martinique aussi, toutes les Caraïbes, frères et sœurs,
vont entendre la parole du Seigneur, frères et sœurs. Parce que le Seigneur, dans sa parole, dit que là où, tout lieu où foulera la plante de nos pieds, il nous le donne. Et je crois que le Seigneur donne à l'Église les nations. Parce qu'il dit quoi dans Matthieu 28? Allez et faites des nations des disciples. C'est un temps où il faut revenir à l'évangile véritable, à l'évangile pur, frères et sœurs, l'évangile qui est sans compromis, l'évangile qui n'est pas dans la compromission, l'évangile de feu, l'évangile de gloire, l'évangile de la puissance, frères et sœurs, de la résurrection. Et je crois que dans ces temps de la fin, frères et sœurs, le Seigneur est en train d'opérer dans l'Église. Alléluia, mes amis. Waouh! Nous ne sommes pas convertis pour adhérer au mensonge. On ne s'est pas converti pour adhérer au mal. On s'est converti pour plaire à l'agneau, pour plaire à Jésus-Christ de Nazareth. Et je crois que dans ces temps de la fin, frères et sœurs, des vrais adorateurs se lèvent pour adorer le Seigneur, pour prendre position pour le Seigneur, quitte à être lapidé. Et j'aimerais dire aux chrétiens aujourd'hui que le Seigneur lui-même a été traité de diable, a été traité de Belzébul. S'il serait dans notre génération encore, vous-même, nous-mêmes, peut-être même chrétiens, on l'aurait traité de diable. On l'aurait traité de Belzébul, de rebelle, de tout ce qu'on veut. Donc la Bible dit quoi? Tout disciple accompli sera comme son maître. À partir du moment que tu commences à prêcher la vérité, à prêcher Jésus-Christ de Nazareth, à dénoncer le mal, les œuvres des ténèbres, laisse-moi te dire que tu seras traité comme ton maître, comme Jésus-Christ de Nazareth qui a été crucifié. Ils ont libéré un voleur, un meurtrier, et ils ont crucifié la vie, mes amis. Celui qui est sans péché a été crucifié parce que le monde préfère le péché, le monde préfère le mal, le monde préfère l'immoralité. Voilà pourquoi aujourd'hui tous les chrétiens des nations qui veulent marcher dans la vérité, marcher dans la sanctification, seront persécutés. Vous serez persécutés à cause de son nom, mes amis, à cause du nom de Jésus. Ce nom qui est sans péché, ce nom qui est puissance, ce nom qui est glorieux. Lorsque son nom est prêché, frères et sœurs, c'est la puissance de la résurrection qui se manifeste dans ta vie, qui se manifeste dans ton cœur, mes amis. Alléluia. Et aujourd'hui, frères et sœurs, on va parler de Jésus, mes amis. On va crier haut et fort sur les toits, sur les montagnes, la vérité, mes amis. Ce qui se fait dans le secret, le Seigneur va envoyer sur les toits, nous envoyer sur les toits pour le crier. Ce qui nous dit dans le secret, on va monter sur les toits pour le crier. C'est écrit dans la parole. Ce que je vous dis dans le secret, il dit quoi? Allez le crier sur les toits. Et c'est un temps où les chrétiens sont sur les toits, un temps où les chrétiens sont montés sur les toits pour crier ce que l'Esprit leur dit dans le secret, ce que l'Esprit leur demande d'annoncer dans le secret. Ils sont sur les toits en train de crier. Mais laisse-moi te dire que les flèches que tu les flèches qu'on va t'envoyer, les attaques que tu vas essayer de recevoir, qu'on va t'envoyer, étant sur le toit, ça ne va pas t'atteindre. Car 10 000 tombent à ta gauche, 10 000 à ta droite, tu ne seras pas atteint. Alléluia, mes amis. Tu ne seras pas atteint à rien péché qu'un béo, à rien péché trappé parce que vous avez bondié. Alléluia, mes amis. Alléluia. Frères et sœurs, c'est magnifique. Vous savez, dans la Bible, David, frère et sœur, a été haï, a été, traité de rebelle, pas de rebelle, mais orgueilleux. Orgueilleux par ses propres frères parce qu'il avait l'audace pour aller, comme on dit, frères et sœurs, combattre Goliath. Frères et sœurs, il a été méprisé par toute l'armée d'Israël. Je vous dis la vérité. Saül voulait lui donner son armure. Ça, c'est une parenthèse que j'ouvre avant d'arriver sur les fausses prophéties, les frères et sœurs. Saül voulait lui donner son armure, mais David a refusé son armure parce que ce n'était pas l'armure, ce n'est pas le vêtement que le Seigneur lui avait donné. Il avait confiance en Yahweh des armées, mes amis, en confiance en sa parole, confiance en ce que le Seigneur lui disait dans les coulisses. Le travail que le Seigneur a fait avec David dans les coulisses, frère, a porté du fruit aux yeux de tous, frères et sœurs. Et il est parti affronter Goliath. Il n'a pas tremblé. Il n'a pas eu peur. Pourquoi? Parce que s'il n'allait pas au combat, frères et sœurs, des milliers d'âmes allaient mourir. Des milliers d'âmes allaient tomber, frères et sœurs, dans la mort. Et David, frères et sœurs, a eu la foi, mes amis. Il a pris une pierre et, mes amis, par la foi. Donc toi, par la foi aujourd'hui, lève-toi et marche. Par la foi aujourd'hui, toi qui entends ce message, aie courage et confiance dans le Seigneur. Prends courage, frères et sœurs, et prends confiance dans le Seigneur, parce qu'il n'a pas dit son dernier mot pour ta vie.
J'aimerais encourager tous les chrétiens. Je crois que le Seigneur lève une armée. Le Seigneur lève un peuple qui va pas trembler, qui va le craindre, qui va parler, frères et sœurs, dans notre génération, parce que l'heure est grave. L'Église est malade dans les nations. Les gens meurent, frères et sœurs, dans les églises. Les gens meurent, frères et sœurs, parce qu'il n'y a plus la parole. Il n'y a plus la vie. Des chrétiens, frères et sœurs, sont aux abois parce qu'il n'y a plus la vie, frères et sœurs. Je vous dis la vérité, c'est le chaos, mes amis. Oh oui, c'est le chaos. Donc aujourd'hui, on va partager sur les fausses prophéties, frères et sœurs, les fausses prophéties pour vous, qui manipulent le peuple du Seigneur. Les fausses prophéties qui manipulent le peuple du Seigneur. Donc aujourd'hui, frères et sœurs, on se rend compte qu'aujourd'hui, un Dieu fouettard est prêché. Un Dieu père fouettard est prêché. Un Dieu qui frappe. Un Dieu qui condamne. Un Dieu qui frappe, qui frappe, qui frappe. Oui, il frappe, il juge, c'est vrai. Oh oui. Mais laisse-moi nous dire, frères et sœurs, qu'il est venu mourir sur la croix pour, non pour perdre, mais pour sauver. Alléluia. Quelle belle parole. Il est venu pour sauver. Et la Bible dit encore dans Romains 8, frères et sœurs, qu'il n'y a plus de condamnation pour ceux qui sont en Jésus-Christ de Nazareth. Donc toi qui es dans le Seigneur, tu n'es plus sous la condamnation, tu n'es plus sous la loi. Aujourd'hui, beaucoup de chrétiens sont sous la loi, marchent sous la loi, marchent sous la condamnation, frères et sœurs, et ne sont plus dans la liberté, ne sont plus, sous la grâce du Seigneur, alors que le Seigneur est venu apporter la vie, apporter la grâce, la vérité, frères et sœurs, le salut. Mais beaucoup de chrétiens aujourd'hui préfèrent demeurer sous la loi de Moïse. Oh, mais c'est terrible, mes amis. La loi de Moïse. Vous voyez, frères et sœurs? Aujourd'hui, beaucoup de chrétiens confondent la grâce et la loi. Aujourd'hui, beaucoup de chrétiens ne peuvent plus parler parce qu'on les fait demeurer sous la loi de Moïse. Vous voyez, frères et sœurs? On dit aux chrétiens aujourd'hui que si vous dénoncez le mal, si vous dénoncez ce que vos pasteurs font, Dieu va vous frapper, Dieu va vous juger, Dieu va. Mon ami, attention, frères et sœurs, attention. Voilà pourquoi ce message, je crois, va encourager beaucoup de chrétiens, frères et sœurs, et ça va ouvrir les yeux de beaucoup de chrétiens, mes amis. Vous voyez, frères et sœurs, l'heure est grave, je vous dis la vérité. Le mal est entré au sein des églises. Beaucoup de chrétiens demeurent dans le mal, demeurent dans le mensonge, demeurent dans l'iniquité, frères et sœurs, et c'est le chaos. Et les nations ont besoin de voir qui, frères et sœurs, la lumière qui est dans l'église, frère, à savoir le Seigneur. Tu es appelé à briller. Nous sommes le sel de la terre. Donc tu dois, frères et sœurs, la terre doit recevoir le sel, le goût. Oh mes amis, si l'église elle-même n'est plus dans la lumière, si l'église elle-même n'a plus de goût, frères et sœurs, comment les nations seront sauvées? Nous sommes dans ce temps où l'église doit se lever pour Jésus et non se lever pour défendre des hommes, non pour se lever pour un homme ou pour nous, mais se lever pour Jésus-Christ de Nazareth. Ne te lève pas pour toi, pour moi, frères et sœurs, et nous autres. Hein. Lève-toi pour Jésus. Lève-toi pour défendre la parole de ton maître. Car nous sommes appelés à défendre la parole du Seigneur. Lorsqu'elle est attaquée, lorsque, frères et sœurs, l'évangile commence à être attaqué, frères et sœurs, nous devons parler, mes amis. Oh oui, mes amis. Lorsque des âmes sont blessées, lorsque des âmes meurent, lorsque des âmes sont trompées, sont détruites, c'est l'obligation de l'Église de parler. Mais malheureusement, beaucoup de chrétiens sont traités aujourd'hui de... Ils reçoivent des prophéties qui les condamnent, des prophéties qui leur disent, en gros, Dieu va vous frapper. Voilà la prophétie aujourd'hui pour bloquer les chrétiens, frères et sœurs. Dieu va frapper, Dieu va frapper. Mais c'est quel Dieu qui frappe tout le temps, mes amis? C'est quel Dieu... c'est quel Dieu ça, mes amis, ça? C'est pas le Dieu qu'on voit dans la Bible. On voit sa justice, c'est vrai, mais nous voyons un Dieu qui est amour, alléluia, et qui n'aime pas le péché, alléluia. Parce que beaucoup pensent que le Seigneur caresse le péché, frères et sœurs. Le Seigneur ne caresse pas le péché. Voilà pourquoi aujourd'hui on va dénoncer le péché qui se fait dans l'église, et on va aussi évangéliser pour que les nations se repentent, parce qu'il dit allez et faites des nations des disciples. Donc frères et sœurs, c'est le rôle de l'église. Si tu es l'église, c'est ton rôle de parler, mes amis. Et aujourd'hui, beaucoup de chrétiens ont peur de parler. Vous voyez, frères et sœurs, ils sont menacés de toutes parts par des fausses prophéties qui les manipulent pendant des années, et ils sont manipulés, et leurs bouches ont été muselées, mes amis. Et je crois que le Seigneur va délivrer beaucoup de chrétiens aujourd'hui qui sont muselés et qui vont parler, frères et sœurs, qui vont annoncer la vie,
annoncer la parole du Seigneur et qui seront utilisés par le Seigneur tel un feu, mes amis. Alléluia. Waouh. Donc, on va prendre Psaume 23, frères et sœurs. Et si aujourd'hui, on parle de ce titre aujourd'hui, je crois que le Seigneur le permet aussi pour que beaucoup de chrétiens soient éclairés, frères et sœurs, parce que c'est le chaos. Vous voyez, frères et sœurs, donc, il y a quelques mois en arrière. Et ça on va bien parler de ça pour que vous soyez encouragés, frères et sœurs, et toi qui vas te convertir, que tu ne puisses pas tomber dans ce piège. Parce qu'aujourd'hui, il y a beaucoup de pièges. Bon, le Seigneur permet dans la vie de chaque chrétien des circonstances, des moments pour former chaque chrétien. Je crois que chacun passera là où le Seigneur veut qu'il passe. Mais je crois que ces messages aujourd'hui vont édifier le corps du Seigneur, édifier le corps de Yeshua à Mashiach, mes amis. Alléluia. Waouh. On n'a pas de puissance contre la vérité. Ce qui nous anime, frère, c'est la vérité, c'est la vie, c'est la parole du Seigneur. C'est ça, frères et sœurs, notre motivation. C'est la parole de vie, oh mes amis. Donc, il y a quelques mois en arrière, juste pour vous faire ouvrir la parenthèse, il la referme aussitôt, rassurez-vous. On ne fera pas l'apologie de quoi que ce soit. Mais il y a un enseignement à tirer quand même de tout ça. Et je crois que la parole nous enseigne. Hein. En fait, aujourd'hui, tout ce que nous prêchons, en fait, c'est des choses que nous vivons. Parce qu'on ne peut pas prêcher des choses qu'on ne vit pas. Vous comprenez, frères et sœurs? On ne veut pas s'improviser à raconter des choses ou prêcher des choses que nous ne vivons même pas. Vous comprenez? Beaucoup de chrétiens aujourd'hui veulent prêcher la parole, mais ne vivent même pas un centième ou ne serait-ce que... Ils ne vivent pas ce qu'ils prêchent en fait en vérité. Beaucoup, pas tous, beaucoup. On ne peut pas se lever et prêcher des choses qu'on ne vit pas. Sinon ton message n'aura aucune vie, aucune puissance pour libérer les âmes. Alléluia! Waouh! Il y a quelques mois en arrière, un frère avec qui on travaillait, voilà pour vous la parenthèse, qui s'appelle Stéphane, voilà qui ment devant le monde entier, frères et sœurs, on va le dénoncer encore ouvertement, qui ment devant les nations, qui nous a intimidés, voilà, il y a quelques mois, avec plusieurs frères et sœurs de l'équipe, voilà, ça, on va le dénoncer haut et fort pour vous encourager aussi, frères et sœurs, de ne pas tomber dans ce piège. Il y a quelques mois en arrière, il a essayé de nous intimider, oui, que Dieu va frapper en juillet. Dieu va frapper en juillet. Dieu va frapper en juillet. En gros, ce qu'il voulait dire par là, c'est qu'en gros, vu que nous avons pris position pour ce qui est vrai, pour la vérité du Seigneur, pour la vérité de sa parole et non pour les hommes, voilà. Mais il nous demande, oui, il nous dit que oui, la parole dit qu'il faut se soumettre aux autorités, même s'ils ont péché, je ne sais pas quoi, il faut se soumettre. En fait, c'est la confusion dans sa tête. Oui, frère et soeur, une confusion. Au point, il va même mentir devant la terre, frères et sœurs. Mensonge sur mensonge. Malgré qu'on dénonce le mensonge, ça continue de plus belle. Mais nous, frères, on va se concentrer sur la parole, se concentrer sur l'évangile. Mais quand même, je crois qu'il y a des enseignements à tirer à travers tout ça, frères et sœurs. Vous voyez, frères et sœurs? Donc, comme nous l'ont dit beaucoup de frères et sœurs, sachez qu'on écoute vos conseils. On ne va pas répondre à quoi que ce soit en faisant des vidéos comme on a pu le faire pour exposer les deux points, les deux grosses vidéos qu'on a faites. Je crois que le Seigneur a permis cela quand même pour éclairer son peuple, éclairer ses enfants parce que beaucoup sont dans la confusion ou étaient dans la confusion. Et à travers cela, ben, beaucoup sont réveillés et comprennent qu'il y a un problème. Et je bénis le Seigneur pour cela. Et ce n'est pas pour condamner comme beaucoup l'ont compris. Hein. Que voilà, vous avez compris par là qu'il n'y avait aucune animosité, aucune haine. Et je bénis Jésus-Christ de Nazareth. Alléluia, frères et sœurs. En fait, dans nos cœurs, frères et sœurs, il n'y a aucune animosité. C'est l'amour que nous avons. Mais nous pouvons cautionner le mensonge. Ça, c'est impossible, mes amis. On peut être lapidé, mais le mensonge, là, frère, on ne va pas le cautionner, frère et sœur. Vous voyez, frère et sœur? Donc, bref, je ferme la parenthèse. Donc, je reviens sur le cas de ce monsieur. Donc, qui ment. Parce que s'il ment, pour moi, ce n'est pas un frère, ça. Donc, quand on ment comme ça, on ne peut pas être frère. Ce n'est pas possible. Donc, il dit que, il y a plusieurs mois en arrière, que Dieu va frapper. Dieu va frapper. Il faut se repentir. Il nous pour Romains 13 qu'il faut être soumis aux autorités, les anciens, tout ça, voilà. C'est une confusion totale qui règne dans sa tête par rapport à ce verset, pensant que ce verset était pour les anciens alors que c'est pour le chrétien dans le monde. Donc c'est le chaos. Donc frères et sœurs, donc il nous a incité en fait, il a appelé l'équipe, plusieurs personnes de l'équipe, leur disant, Terra, faut se repentir parce que Dieu va frapper. En gros, Dieu allait frapper quoi. Dieu va frapper en juillet, on va être frappé en juillet, on va être frappé, frère. Donc j'aimerais vous dire ce soir, frères et sœurs, que le mois dernier, on a dénoncé le mal qui se faisait dans l'église parmi les anciens. On a exposé tout cela parce que le Seigneur Jésus-Christ nous a poussé à le faire, frères et sœurs, à dénoncer le mal. Vous avez vu comment beaucoup souffraient
même de par les commentaires, frères et sœurs, la souffrance qu'il y avait, même de par les mails que nous recevons, qu'on n'expose même pas, parce que ça, en fait, ça fait pleurer, frères et sœurs. On pleure. Vous voyez, frères et sœurs? Et quand nous voyons ça, frères et sœurs, comment peut-on se taire, mes amis? Comment peut-on se taire et dire, on ne dit rien parce qu'on ne veut pas que, on va te frapper sinon, frères et sœurs, c'est quel Dieu qui va te frapper s'il te demande de prêcher la vérité, de dénoncer le mal qui se fait dans l'église? Vous voyez, frères et sœurs? Aujourd'hui, beaucoup de chrétiens sont devenus des peureux. Voilà, frères et sœurs. Beaucoup sont devenus des peureux et ont peur d'annoncer l'évangile. On comprend pourquoi par là, dehors, il y a très peu de chrétiens qui vont annoncer la parole dehors. Beaucoup se sont cachés aujourd'hui dans leurs églises. Beaucoup ont fui la France pour aller se cacher dans des pays parce qu'ils ont eu peur de beaucoup de choses. Et aujourd'hui, frères et sœurs, en fait, c'est le chaos. Frères et sœurs, je vous dis la vérité. L'église a besoin de se réveiller parce que l'église est dans le sommeil au point où le chrétien pratique le mensonge, au point où des chrétiens acclament le mensonge. Frères et sœurs, l'heure est grave. Oh oui, mes amis. Le Seigneur dit, lorsqu'il va revenir, trouvera-t-il la foi? Il n'y a plus la foi. Je vous dis la vérité. Quand il y a le mensonge, il n'y a plus la foi. Quand le chrétien pratique l'adultère, le mensonge, l'hypocrisie, la haine, les violences conjugales, les violences ici et là, le fraude, la haine, les insultes, frères et sœurs, il ne peut pas être dans la foi véritable. Ce n'est pas possible. Vous comprenez? Et le Seigneur dit que lorsqu'il va revenir, trouvera-t-il la foi? Nous sommes dans ce temps où le Seigneur prend des hommes et des femmes pour parler de sa part, pour annoncer la vérité, pour annoncer qu'il revient et que c'est l'heure de se réveiller du sommeil. Alléluia. Ouais, frères et sœurs. Donc ce chrétien, ce monsieur, disait que au mois de juillet, on va se faire frapper par le Seigneur. Frapper. Il faut se repentir, tout ça, etc. Voilà, il débitait tellement de choses, frères et sœurs. Il a passé en revue plusieurs personnes de l'équipe pour amener sa terreur démoniaque. Vous comprenez, frères et sœurs? Pour inciter les frères et sœurs à fermer les yeux sur le mal qui se fait. Frères et sœurs, je bénis le Seigneur. Beaucoup ont compris qu'il y avait un problème. Donc là, on est au mois de juillet, le mois d'août. On est le 2 août, frères et sœurs, le 2 août. Et on s'est dit, on attend que le mois de juillet passe pour pouvoir faire un enseignement là-dessus, frères et sœurs, et pour encourager les frères et sœurs, vous encourager à ne pas tomber dans ce piège où des chrétiens vous font peur avec des prophéties, frères et sœurs, sorties de nulle part. Des songes qui n'ont ni tête ni queue, frères et sœurs. Des songes qui vont vous paralyser. Voilà aujourd'hui beaucoup de chrétiens comment ils sont aujourd'hui. Ils sont dans les songes, les rêves, mais leur rêve ne leur dit pas qu'ils mentent. Leur rêve ne leur dit pas qu'ils sont dans le mensonge. Voilà la gravité, frère. À partir du moment que tu vois un chrétien qui ment, tout ce qui vient derrière, frère et sœur, je te dis la vérité, il faut fuir. Oh oui, parce que le diable aussi dit un peu de vérité. Le diable aussi dit la vérité, mais quand il vient vers toi, le diable, tu sais ce qu'il va te faire, le diable. On connaît ses desseins. Il vient pour détruire, mes amis, détruire. Oh oui, mes amis. Donc aujourd'hui, ce que j'aimerais partager par la grâce du Seigneur, voilà, frère et sœur, c'est que ce frère nous disait qu'au mois de juillet, on va se faire frapper par le Seigneur. Au mois de juillet, le Seigneur nous a demandé de sortir tout ce mal qui se fait dans les coulisses, mes amis. Tout ce péché, tous ces mensonges, tout ce chaos que vous avez pu entendre, qui se fait dans les coulisses, dans l'église. Vous voyez, frère et sœur? Donc, comment le Seigneur qui est juste, comment le roi des rois qui est parfait, qui est sans péché, qui est sur son trône de gloire, frère et sœur, qui est le chemin, la vérité, la vie, peut cautionner le mensonge dans l'église et dire à ceux qui vont parler, qui vont nous frapper, il va nous frapper si on dit la vérité. Mais c'est quel Dieu ça, mes amis, ça? C'est pas, en tout cas, c'est pas le chemin, la vérité, la vie. Hein. Le chemin, la vérité, la vie, il est sans péché, mes amis. Il est pour la vérité. Et je crois que dans notre génération, il peut même prendre des ânes, il prend n'importe qui, frère et soeur, même les ânes, c'est l'animal, je parle l'animal, pour parler et annoncer la vérité. Je crois qu'il peut le faire, mes amis. Il peut même prendre les pierres par terre, là, pour crier, les cailloux, là. Si l'église ne veut pas crier, il va prendre des pierres. Donc, comprenez l'état aujourd'hui de l'église, frères et sœurs. Je vous dis la vérité. Et en fait, il va prendre ce qui est rejeté. Il va prendre ce qui est méprisé, ce qui est écrasé pour parler et annoncer sa parole. Alléluia. Waouh. Donc, il disait qu'au mois de juillet, on va se faire frapper. Tout ça, il faut se repentir, tout ça. Frères et sœurs, on s'est revu un peu. Parce que la Bible nous dit d'éprouver tout esprit, d'éprouver les esprits. Donc, on a éprouvé tout ça, frères et sœurs. On a tout éprouvé, on s'est assis. Voilà pourquoi la parole nous dit quoi? Il faut éprouver les esprits. Aujourd'hui, beaucoup de chrétiens n'éprouvent plus les esprits, frères et sœurs. Ils n'éprouvent plus les prophéties. Ils disent amen à tout, pas tous.
Mais beaucoup de chrétiens amènent à tout, amen, 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 amen. Parce qu'aujourd'hui, ben, beaucoup de chrétiens ne lisent pas la Bible. Alors que la Bible dit quoi dans Somme 1? De méditer la parole, nous, nuit et jour, afin de réussir dans toutes tes voies, afin aussi de, voilà, je dirais, de ne pas être trompé. En fait, il faut méditer jour et nuit la parole. La parole doit être le socle, en fait, doit être enracinée en nous, la parole du Seigneur, pour agir fidèlement. Parce que beaucoup de chrétiens aujourd'hui vivent que par des prophéties. Prophéties, songes, prophéties, rêves, prophéties. Jamais ils vont prêcher la Bible, mes amis. Jamais ils vont prendre la parole, mais c'est que les prophéties, les songes, les prophéties, les songes. Dieu m'a dit, Dieu m'a dit, Dieu m'a dit. Voilà aujourd'hui notre génération de Dieu m'a dit, frères et sœurs. Et voilà aujourd'hui comment beaucoup de chrétiens, frères et sœurs, tombent dans le Dieu m'a dit, tombent, sont emprisonnés dans le Dieu m'a dit. Et la parole n'est plus mise au devant, mais Dieu m'a dit, Dieu m'a dit, Dieu m'a dit. Frères et sœurs, je bénis le Seigneur pour sa parole. Oui, frères et sœurs. Donc aujourd'hui, on veut parler, frères et sœurs, pour dénoncer en fait toutes ces pratiques qui se font dans l'église. Vous voyez, frères et sœurs, des faux prophètes qui viennent prophétiser le malheur sur ta vie, alors que le Seigneur ne les a pas parlé, leur a pas parlé. Ils viennent te dire, tu vas mourir, on va te frapper, juste pour que tu puisses pas parler, mes amis. Voilà aujourd'hui comment beaucoup de chrétiens, voilà de faux chrétiens, veulent intimider les enfants du Seigneur pour les dissuader de suivre l'agneau. Ils veulent qu'on suive les hommes, mais pas l'agneau. Voilà notre génération. Le Seigneur, a institué des ministères pour annoncer sa parole, pour le perfectionnement des saints. Mais aucunement le Seigneur a demandé aux chrétiens d'être esclaves aux hommes. C'est impossible ça, mes amis. Et d'ailleurs, sa parole dit quoi? De fuir l'impudicité et de fuir quoi? L'idolâtrie. Vous voyez, frères et sœurs? Donc, comment le Seigneur qui nous dit de fuir l'idolâtrie pourrait nous emmener encore peut nous dire encore, il faut courir après tel homme toute notre vie? Mais c'est quel évangile ça, frères et sœurs? C'est quel Dieu qui va prendre toujours l'image de quelqu'un, l'image d'un homme pour nous parler matin, midi et soir? Mais c'est quel Dieu qui fera ça, mes amis? Alors que sa parole nous dit qu'on doit fuir l'idolâtrie. Donc si l'humain que nous sommes, le chrétien que nous sommes, nous devons fuir l'idolâtrie, le Seigneur ne peut pas tous les matins te ramener mon visage pour te parler. Sinon tu vas devenir idolâtre de moi. Ah, comme c'est le frère avec qui m'a parlé, c'est Dieu. J'ai vu son visage, c'est Dieu qui m'a parlé. Dieu m'a parlé, Dieu m'a parlé, Dieu m'a parlé, Dieu m'a parlé. Frères et sœurs, faut faire attention, mes amis, à ça là. Vous comprenez? Tous les matins, Dieu ne peut pas prendre le visage de ton pasteur, de ton prophète, de ton apôtre, de ton docteur, ton évangéliste, je ne sais pas quoi, pour pouvoir te parler. Vous voyez, frères et sœurs? Sachant que sa parole dit, fuyez l'idolâtrie, fuyez l'impudicité. Vous voyez, frères et sœurs? Parce que l'humain est de nature idolâtre. L'humain est de nature à adorer l'image taillée. À adorer, frères et sœurs, l'humain. On a vu le veau d'or. Moïse est parti sur la montagne. Qu'est-ce que le peuple a fait? Ils ont fait un veau d'or. L'humain, il aime adorer ce qu'il touche, ce qu'il peut voir. Il aime adorer. Il est dans l'adoration. Et la parole dit quoi? Heureux ceux qui ont cru sans avoir vu. Aujourd'hui, beaucoup de chrétiens veulent voir. Voilà comment le diable trompe beaucoup de chrétiens. Parce que il leur amène ce qu'ils veulent voir. Ils ne veulent plus entendre la parole du Seigneur, mais ils veulent voir. Oh mes amis, waouh. Voyez. Donc en fait, à travers cet enseignement là, on veut dénoncer les œuvres de ce faux chrétien. Voilà, qui ment. Donc quand on pratique le mensonge, pour moi c'est pas chrétien ça, c'est les démons. C'est la possession démoniaque. Voilà, frères et sœurs. Donc on voit par là que il nous a dit qu'on va être frappé. Frère, si on aurait écouté tout ça, frère et sœur, si on aurait écouté toute sa prophétie, frère et sœur, on n'aurait jamais fait ce que le Seigneur nous demande, à savoir quoi? De dénoncer tout ce mal, frère et sœur, qui se fait parmi l'église, parmi les chrétiens, frère et sœur. Et c'est le chaos, mes amis. Vous voyez, frère et sœur? Donc voilà pourquoi aujourd'hui, on prend le temps, aujourd'hui, par la grâce du Seigneur, de dénoncer ses œuvres et ses fausses prophéties. Et quand on donne des fausses prophéties, frères et sœurs, la parole dit quoi? Ça, c'est pas vrai chrétien, ça c'est faux prophète. Faux prophète. Ah oui, on va lire ça plus bas tout à l'heure, dans Jérémie 23. Vous voyez, frères et sœurs? Donc on va être frappé. Nous sommes le 3 août. Et c'est pour vous annoncer, frères et sœurs, qu'aujourd'hui, ne tombez plus sous le joug de fausses prophéties, ou plutôt je dirais, d'examiner les prophéties. D'examiner, frères et sœurs, tout esprit, toute prophétie, toute parole de connaissance, tout ce que tu peux recevoir, il faut aller consulter le Seigneur. Et j'ouvre une parenthèse dessus, frères et sœurs. Bientôt, il y aura aussi un partage qui sortira dessus, vraiment dans l'intégralité. Donc, on voit par là que le diable au ciel a réussi à quitter le ciel, à quitter le royaume des cieux,
avec plus d'un tiers d'anges. Donc il reste deux tiers au ciel, deux tiers. Donc il est parti aussi du ciel avec des myriades et des myriades d'anges. Et myriade veut dire quoi? Un nombre incalculable. Donc si le diable au ciel a réussi à faire son commerce, a réussi à partir du ciel avec des myriades d'anges, en fait les anges ont regardé à sa position. Ils n'ont plus fait attention à ce que le Seigneur dit. Ils ont cru à sa parole et se sont fiés à sa position. Vous voyez, frères et sœurs? Et aujourd'hui, beaucoup de chrétiens se fient à la position de dirigeants d'église qui s'appellent prophètes, docteurs, apôtres, évangélistes, prédicateurs. Ils font confiance à leur titre. Vous voyez, frères et sœurs? Et ne font plus confiance au Seigneur qui nous dit dans sa parole, voilà, qu'on doit demeurer à ses pieds. Vous voyez, frères et sœurs? Comme Marie, pour écouter sa parole, pour écouter ce qu'il a à nous dire. Beaucoup de chrétiens sont agités, frères et sœurs. Ils sont comme Marthe. Ils courent ici et là. Ils n'ont plus de stabilité. Ils n'ont plus de communion avec le Seigneur. Ils n'entendent plus la voix du Seigneur. Ils n'ont plus de discernement. Ils sont comme envoûtés. Je vous dis la vérité, frères et sœurs. Comme envoûtés. Ils ne comprennent plus la parole du Seigneur. Vous comprenez, frères et sœurs? Alléluia! Waouh! Vous voyez, frères et sœurs? Donc, je disais que le diable est parti du ciel. Lucifer, de base, il s'appelle Lucifer. Porte de lumière, il était beau d'apparence, il était, voilà. Et il a fait un commerce au ciel et il est parti avec un tiers des anges, mes amis. Comment c'est possible? Eh bien, qu'est-ce qu'il a utilisé comme arme? Le mensonge, la séduction, voilà, voici les armes qu'il a utilisées. Et la Bible l'appelle le père du mensonge. Donc, s'il a réussi à partir du ciel avec des myriades et des myriades d'anges, qu'adviendra-t-il des humains aujourd'hui, mes amis? Il a même réussi à faire croire aux hommes qu'on vient du Big Bang. Il a réussi à faire croire aux hommes qu'on vient du singe. Il a réussi à faire croire aux hommes qu'on vient du molécule. Il a réussi à faire croire aux hommes que Jésus avait les yeux bleus. Vous voyez, frères et sœurs, c'est le chaos. Il a même réussi à faire croire aux hommes que Dieu était dans toutes les religions. Dieu est amour, Dieu est amour, Dieu aime le péché, Dieu est amour. Vous voyez, voilà ce qu'il a réussi à faire croire aux hommes, mes amis. À faire croire qu'il n'y a pas de créateur. Comment est-ce possible? Donc, que va-t-il faire parmi les chrétiens aujourd'hui? Eh bien, il va semer le mensonge. Il va semer le chaos, la séduction, l'idolâtrie dans la chrétienté, mes amis, pour écarter beaucoup de chrétiens du royaume des cieux. Je vous dis la vérité. Et c'est grave. Voilà pourquoi on va crier encore, frères et sœurs. Je vous dis la vérité. Hein. On va prêcher la Bible. Oh oui, mes amis. On va prêcher la parole du Seigneur. Et je crois que beaucoup de chrétiens seront éclairés par ces paroles, par la parole du Maître. Je crois que le Seigneur est fidèle et il est vivant. On n'est pas parfait. On a beaucoup de défauts, frères. On n'est pas parfait, on n'est pas les meilleurs du monde. Mais nous voulons prêcher la Bible. Nous voulons crier haut et fort que Jésus-Christ est sans péché. Que Jésus-Christ n'aime pas le péché, n'aime pas le mensonge. Il est la vérité, mes amis. Alléluia, mes amis. Waouh! Donc, pour nous fermer la bouche, là, ça va être compliqué, mes amis. On va crier. Donc, je voudrais rassurer tous les chrétiens. Rassurez-vous, on ne tremble pas. Nous sommes en paix. On va annoncer Jésus. Jésus a été sali. Son nom était sali. Voilà. Et c'est pas grave, on passera par là quand même, c'est pas grave. Mais nous serons sauvés et nous serons approuvés du royaume des cieux, frères et sœurs. Et nous marcherons dans la justice, l'intégrité, au nom puissant de Yeshua de Nazareth. Waouh. Mes frères et sœurs. Donc, il a réussi à partir du ciel. Je fais la parenthèse par la suite, rassurez-vous. Ça sera notre partage qui sera exclusivement réservé à cela. Voilà, par la grâce du Seigneur. Et vous comprenez par là que voilà pourquoi un chrétien ne doit pas rentrer dans le mensonge. Quand tu rentres dedans, frères et sœurs, pour en sortir, ça va être compliqué. Il faudra tout exposer. Et si tu fais cela, en fait, tu vas perdre ton image, tu vas perdre ta position et tu seras rejeté. En fait, ça va être compliqué. Mais peut-être que tu seras sauvé s'il n'est pas trop tard. Vous voyez, frères et sœurs, car seul le Seigneur connaît toutes choses. Vous voyez? Mais tant qu'on vit, il n'est pas trop tard, je crois. On en est choua. Et frères et sœurs, donc le diable a réussi à faire un commerce au paradis, frères et sœurs, dans le paradis, et a réussi à partir avec des anges qui voyaient le trône du Seigneur tous les jours. Enfin, voilà, ils voyaient tout le temps le trône du Seigneur. Comment a-t-il fait pour partir du ciel avec des anges, mes amis? Donc dans l'église, là, frères et sœurs, si tu ne veilles pas, tu vas commencer à participer au mensonge sans t'en rendre compte. Tu participes dedans, tu es dedans, tu es complice. Celui qui participe au mensonge, tu es complice. Oui, frères et sœurs. Tu es complice. Je vous dis la vérité. Je vous dis la vérité, frère. Ce qui va arriver là, ce qui arrive, mes amis. Ce qui arrive, mes amis. Waouh. Frère, on ne dit pas plus. Mais le Seigneur, je vous dis la vérité, il faut trembler devant le Seigneur. Il faut trembler devant Jésus-Christ de Nazareth, mes amis.
Waouh! Mes frères et sœurs. Donc voilà pourquoi il ne faut pas que tu puisses trembler devant les prophéties. Tu entends une prophétie sur toi? Va dans la paix, consulte le Seigneur. Tu vois? Il ne faut pas commencer à trembler. Non, va dans la présence du Seigneur. Voilà. Et revois toutes choses. Et le Seigneur te montrera toutes choses, frères et sœurs. Tu comprends? Donc dans Jérémie 23, verset 1er, il dit: malheur aux pasteurs qui perdent et dispersent les brebis de mon pâturage. Verset 2. C'est pourquoi ainsi parle Yahweh, Dieu d'Israël, touchant les pasteurs qui paissent mon peuple. Vous avez dispersé mes brebis. Vous les avez chassées. Vous n'en avez pas pris soin. Voici que je vais prendre soin contre vous de la méchanceté de vos actions. Et moi, je rassemblerai le reste de mes brebis de tous les pays où je les aurai chassées et je les ramènerai dans leur pâturage. Elles croîtront et se multiplieront. Et je susciterai sur elles des pasteurs qui les paîtront. Elles n'auront plus ni crainte ni terreur. Waouh, ça parle aux brebis que nous sommes. Vous voyez, frères et sœurs, malheureusement aujourd'hui des brebis, aujourd'hui ils vont dans les églises ici et là. Et frères, malheureusement, tout paraît tout beau, tout nouveau. Mais par la suite, frères et sœurs, ben beaucoup en fait en vérité se font manipuler. Voilà, leurs vies sont détruites, leur foyer détruit. Voilà, et aujourd'hui, ben beaucoup aujourd'hui sont retournés dans le monde à cause de tels agissements, à cause de bergers qui n'ont pas eu le cœur pour les paître, le cœur pour en prendre soin, mes amis. Et le cœur du Seigneur pleure parce qu'il a versé son sang sur la croix pour ses brebis, frères et sœurs. Alléluia, que nous sommes. Vous voyez? Et il dit quoi? Et il n'en manquera plus aucune. Voici que les jours viennent, oracle de Yahweh, où je susciterai à David un germe juste. Il règnera en roi et il sera sage. Il fera droit et justice dans le pays. Dans ces jours, Juda sera sauvé. Israël habitera en assurance. Et voici le nom dont on l'appellera: Yahweh, notre justice. C'est pourquoi voici des jours viennent, oracle de Yahweh, où l'on ne dira plus Yahweh vivant, qui a fait monter les enfants d'Israël au pays, voilà, du pays d'Égypte, excusez-moi. Mais Yahweh est vivant, lui qui a fait monter et fait revenir la race de la maison d'Israël du pays du Saint-Trentrion et de tous les pays où je les avais chassés. Et ils les habiteront sur leur sol. Donc verset 9 qui nous intéresse. Aux prophètes, là c'est un message, voilà, on rentre dans le vif du sujet, par rapport à la prophétie. Aujourd'hui, beaucoup de faux prophètes se lèvent aujourd'hui pour annoncer des choses que le Seigneur n'aura pas demandé d'annoncer. Et aujourd'hui, ben, les fruits disent ben, que ce n'est pas la vérité. Donc, ça s'appelle une fausse prophétie, tout simplement. Ça peut arriver qu'on se trompe dans ce qu'on dit. J'ouvre une parenthèse pour ne pas condamner ceux à qui ça a déjà pu arriver. Voilà, de déclarer quelque chose, mais ce n'était pas vrai. Mais l'attitude qu'ils doivent avoir, c'est quoi? C'est de dire au peuple: je me suis trompé. Oh Seigneur Yeshua. Vous voyez, frère, écoutez bien ce message, mes amis. Quand quelqu'un donne une prophétie et qu'il se trompe et qu'il ne se repent pas et qu'il ne demande pas pardon publiquement aux frères et sœurs, ça, c'est pas les fruits dignes de la repentance. C'est pas les fruits dignes des élus de Yeshua, frères et sœurs. Quand on se trompe sur quelque chose, on doit l'avouer publiquement afin que le peuple soit éclairé. Oui, frères et sœurs. Mais malheureusement, aujourd'hui, beaucoup donnent des fausses prophéties. Frère, ça rate, ça passe à côté. Et ils vont pas demander pardon aux frères et sœurs chez qui ils ont donné des fausses prophéties, frères et sœurs. Et beaucoup de chrétiens ont mis en place des choses, ont fait des choses sous prophétie, mais il s'avère que ce n'était pas des prophéties qui viennent d'en haut, qui viennent du trône du Seigneur, et ont pris la parole de l'homme comme venant du Seigneur. Et beaucoup de vies ont été détruites, frères et sœurs, par des fausses prophéties. Oh, c'est grave. Oh, c'est grave, mes amis. On va parler. Nous qui parler des bon Dieu, mes amis. Parler de Yeshua. Waouh, 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 waouh. Alléluia. Alléluia. Verset 9, Jérémie 23, verset 9. Ô prophète, mon cœur est brisé au-dedans de moi. Tous mes os tremblent. Je suis comme un homme ivre, comme un homme pris de vin, en présence de Yahweh et en présence de sa parole sainte. Car le pays est rempli d'adultère. Car à cause de la malédiction, le pays est en deuil. Les pâturages du désert sont desséchés. L'objet de leur course est le mal. Leur force est l'injustice. Prophètes et prêtres eux-mêmes sont des profanes. Et dans ma maison, même
j'ai trouvé leur méchanceté. Mes amis, écoutez ça, frères et sœurs. Là où le Seigneur devrait régner normalement, on dit quoi? On trouve la méchanceté, frères et sœurs. Vous voyez, frères et sœurs? Beaucoup de chrétiens ou beaucoup de prophètes, d'apôtres, de docteurs, ceux qui se disent prophètes, aujourd'hui, n'ont pas l'amour du Seigneur, mais manifestent la méchanceté. Oh, mes amis. La méchanceté, la haine, et le peuple du Seigneur est détruit à cause de tels cœurs, à cause des cœurs, frères et sœurs, qui n'ont pas l'amour pour les âmes, l'amour pour la parole de vie, mais qui ont l'amour pour eux-mêmes, l'amour pour leur image, mes amis. Et il dit quoi? Prophètes et prêtres eux-mêmes sont des profanes, et dans ma maison même, j'ai trouvé leur méchanceté. Oh, c'est grave, mes amis. Là où le chrétien, le converti, un converti devrait trouver la vie, quand il creuse un petit peu, il trouve quoi? Il trouve le mensonge, il trouve la méchanceté, il trouve la haine, il trouve la manipulation, il trouve la dissimulation. Frère, c'est le chaos. Vous voyez, frère et soeur? Et le Seigneur dit, qui enverrai-je? Qui va-t-il envoyer aujourd'hui, frère? Qui va-t-il envoyer? Dans l'église, hein? Il regarde l'église, il dit, qui va envoyer? Vous voyez, frère et soeur, pour faire quoi? Pour aller évangéliser, pour aller parler, pour aller, dénoncer le mal qui se fait dans l'église pour que le peuple soit délivré, que le peuple soit éclairé, frères et sœurs. Qui parlera dans notre génération, mes amis? Vous voyez, frères et sœurs? Beaucoup de chrétiens font attention à leur image. Beaucoup de chrétiens font attention à eux-mêmes. Je crois que si Jésus-Christ était physiquement dans notre génération, je crois que les églises, frères et sœurs, prendraient cher, mes amis. Oh oui! Avec tout le système religieux qui est en place, tout le système, le fonctionnement qui est mis en place, le fonctionnement pyramidal, le fonctionnement frères et sœurs, où tout est centré sur les hommes. Frère, je crois que le Seigneur, frères et sœurs, aurait tout cassé. Je crois que son esprit dans l'église est en train de parler, mes amis. Alléluia, frères et sœurs. Waouh! Aussi, leur chemin sera pour eux comme des lieux glissants dans les ténèbres. Ils seront poussés et ils y tomberont, car j'amènerai sur eux le malheur l'année où je les visiterai. Mes amis, il faut trembler. Hein? Quand on sait qu'on est dans le mensonge, là, je vous dis la vérité, le péché, frères et sœurs, en fait, il faut trembler, mes amis. On ne joue pas avec la parole du Seigneur. On ne joue pas avec la vérité. On ne joue pas avec la sainte doctrine. On ne joue pas, frères et sœurs, avec la sanctification. On doit trembler, mes amis. C'est juste une question de temps. Voilà pourquoi il faut se repentir du mal, se repentir du péché, frères et sœurs, pour être sauvé. À quoi servira-t-il un homme de gagner le monde s'il perdait son âme? Voilà le message que l'Esprit donne à l'Église. Frères et sœurs, je vous dis la vérité, frères et sœurs, ne cherchons pas à gagner le monde et à perdre notre âme. Oh oui, mes amis. Oh oui. Voilà pourquoi toi qui ne veux pas parler, qui refuse de parler, mon ami, attention, tu veux sauver ta vie là, mon ami. Tu veux gagner le monde. Et en fait, à quoi sert-il un homme de gagner le monde? À quoi te servira-t-il de gagner le monde, frère et soeur? D'avoir tout le monde avec toi et que tu perds ton âme. Ça sert à quoi, mes amis? Voyez? Et la parole est claire. Malheur à vous si tout le monde dit du bien de vous. Aujourd'hui, notre génération veut que tout le monde dit du bien d'eux. Tout le monde veut être acclamé. L'humain veut être acclamé. Voilà pourquoi, frère et soeur, ceux qui refusent l'acclamation des hommes, ils vont parler. Oh, je vous dis la vérité. Ils vont crier, ils vont parler, mes amis. Ils vont parler de la part du Seigneur parce qu'ils n'ont pas, oui, soin à ce qu'on les acclame. Oui, il faut qu'on m'acclame. Ce n'est pas leur problème. Leur problème, c'est Jésus. Leur problème, c'est que la justice doit régner. Leur problème, c'est que le royaume des cieux, frères et sœurs, doit être glorifié. Le royaume doit être vu, mes amis. La parole de vie. Alléluia, mes amis. Oh, mes amis, on ne couvre pas le péché ici, on ne couvre pas le mensonge, tout ça. Frère, on va parler dans la lumière au nom puissant de Yeshua de Nazareth. Waouh! L'Église a besoin de prophètes, de docteurs, d'évangélistes, d'apôtres. Je vous dis la vérité, où sont les prophètes dans notre génération, frères? Où sont les prophètes? Et je crois que le Seigneur, dans les temps de la fin, est en train de lever des prophètes. Lever des hommes et des femmes qui vont parler de la part de l'agneau, parler de la part de Jésus-Christ de Nazareth sans trembler, mes amis, sans avoir peur, mes amis. Alléluia. Ils vont parler. Voilà, mes amis, notre génération où le Seigneur lève des hommes et des femmes, des prophètes, des prophétesses pour parler de sa part, mes amis, qui n'ont pas soin de leur corps, qui n'ont pas soin de leur apparence, de leur nom. Ils vont parler, mes amis. Alléluia, mes amis. Waouh.
Dans, alors on va lire verset 13. Voilà. Dans les prophètes de Samarie, j'ai vu de la sottise. Ils prophétisaient par Baal. Voilà comment aujourd'hui beaucoup de chrétiens prophétisent par Baal. Voilà pourquoi le Seigneur dit dans Matthieu 7, beaucoup diront, Seigneur, j'ai prophétisé en ton nom. Seigneur, j'ai fait ci. Seigneur, j'ai fait ça. Seigneur, 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 j'ai fait des miracles. Seigneur, le Seigneur dit quoi? Retirez-vous de moi, vous qui, comment dire, qui violez, qui travaillez plutôt pour la violation de la Torah, de la loi. Beaucoup font l'œuvre du Seigneur. Beaucoup travaillent dans le champ, dans la moisson. Mes frères et sœurs, combien travaillent avec le péché, frère? Beaucoup travaillent avec le péché. Beaucoup travaillent avec le péché, mes amis. Et leur conscience le savent. Je vous dis la vérité. Donc ça s'appelle de l'hypocrisie. Beaucoup travaillent étant, comment dire, dans le péché, frères et sœurs, consciemment, mes amis. C'est grave. Et ils prophétisent par Baal. Beaucoup prophétisent par Baal. Vous voyez? Ils prophétisaient par Baal et ils égaraient mon peuple. Donc beaucoup de chrétiens sont égarés, frères et sœurs, parce qu'ils reçoivent des fausses prophéties. Des prophéties, on leur dit, voici ta femme. Alors que ce n'est pas ta femme, tu te maries demain, c'est divorce. Combien de chrétiens divorcent à cause de fausses prophéties, frères et sœurs? Combien? Combien de chrétiens ont été travaillés dans tel endroit, alors que ce n'était pas le Seigneur qui leur a parlé? Ils ont travaillé, ils ont posé des actes sur des fausses prophéties. Oh mes amis, je vous dis la vérité, que le Seigneur nous réveille. Que le Seigneur nous éclaire, que la parole nous éclaire, qu'il y ait un réveil dans le cœur des chrétiens, un sursaut, un réveil, frères et sœurs, au nom de Yeshua de Nazareth, au nom puissant de Jésus-Christ de Nazareth, frères et sœurs. Alléluia. Waouh. Il dit, j'ai vu de la sottise, ils prophétisaient par Baal, et ils égaraient mon peuple d'Israël. Et dans les prophètes de Jérusalem, j'ai vu l'horreur. Mes amis, l'histoire se répète. Ça n'a pas changé. Voici l'état de l'église aujourd'hui. Voilà l'état de beaucoup de prophètes dans notre génération, frères et sœurs. Il y a l'horreur dedans, la sottise, le mensonge, les faux témoignages, frères et sœurs, les fausses prophéties. Frère, c'est le chaos, mes amis. Voilà pourquoi le Seigneur veut nous interpeller. Et sa parole est claire. Il dit quoi? Mon peuple, sortez du milieu d'eux. C'est un temps où le Seigneur est en train de sonner de la trompette pour que son peuple puisse aller à sa rencontre, aller à la rencontre de l'agneau, à la rencontre de Jésus-Christ de Nazareth. Alléluia, frères et sœurs. Waouh. Il dit, j'ai vu l'horreur. Ils commettent l'adultère. Ils marchent dans quoi? Dans le mensonge. Oh Seigneur Yeshua. Vous voyez, frères et sœurs, c'est pas moi qui le dis. Hein. La Bible est claire. Jérémie, là, regardez, c'est le livre de Jérémie. Hein. Le livre de Jérémie, mes amis. Oh mes amis, Jérémie a souffert. Jérémie a souffert. Et je crois que le Seigneur lève des hommes et des femmes tels Jérémie pour parler, frères et sœurs, dans l'église, parler dans les nations, frères et sœurs, pour annoncer la vie, dénoncer les œuvres des ténèbres que se pratiquent, frères et sœurs, au nom de Yeshua de Nazareth. Alléluia. Waouh. Seigneur Jésus de Nazareth. Il dit, j'ai vu l'horreur, ils commettent l'adultère et marchent dans le mensonge. Et la Bible dit, le père du mensonge, c'est le diable. Donc toi qui m'entends, chrétien, ne pratique pas le mensonge. Je te dis la vérité, ne rentre pas dedans pour faire plaisir à autrui. Comme aujourd'hui, beaucoup de chrétiens aujourd'hui peuvent mentir aujourd'hui, juste frères et sœurs pour... Ah mes amis, ça va être chaud mes amis, je vous dis la vérité, c'est le chaos. Et tant qu'on voit le mensonge, frères et sœurs, on voit le mal se faire comme ça, frères et sœurs. Frère, on va parler, je vous dis la vérité. Et nous allons parler dans l'assurance. Et ce soir, nous parlons dans l'assurance. Parce que l'église, frères et sœurs, a besoin d'entendre la vérité. Vous voyez, frères et sœurs, on va prêcher un message, l'amour, vous savez. Frère, on va prêcher, frères et sœurs, ce que l'Esprit donne de prêcher. Alléluia, frères et sœurs. Waouh. Et marchent dans le mensonge, ils affermissent les mains des méchants afin qu'aucun d'eux ne revienne de sa méchanceté. Voilà ce qui se passe aujourd'hui dans l'église. Beaucoup se fortifient entre eux. Voilà ça. On relit, hein. Afin qu'aucun d'eux ne revienne de sa méchanceté. Frères et sœurs, je vous dis la vérité, voilà ce qui se passe. Afin qu'aucun d'eux ne revienne de sa méchanceté. Waouh. C'est chaud, frère. Ils sont tous pour moi comme Sodome et Gomorre. Et les habitants de Jérusalem comme Gomorre. Et dans l'église aujourd'hui, beaucoup de chrétiens pratiquent les actes de Sodome et Gomorre. Je vous dis la vérité. Beaucoup de chrétiens aujourd'hui, frères et sœurs, pratiquent les œuvres de Sodome et Gomorre. Frère, c'est chaud, mes amis. Vous voyez, frères et sœurs? Voilà notre chrétienté aujourd'hui, frère.
pire que Corinthe. On a lu Corinthe. Mais aujourd'hui, notre génération, elle est pire que Corinthe. C'est grave. Voilà. Et tous pour moi sont comme Sodome et les habitants de Jérusalem, comme Gomorre. C'est pourquoi ainsi parle Yahweh des armées, touchant les prophètes. Je vais leur faire manger de l'absinthe et leur faire boire des eaux empoisonnées, car c'est des prophètes de Jérusalem que la profanation est venue dans tout le pays. Ainsi parle Yahweh des armées. N'écoutez pas les paroles des prophètes qui vous prophétisent. Oh mes amis, c'est chaud ça frère. Il dit quoi hein? Verset 16. Ainsi parle Yahweh des armées. N'écoutez pas les paroles des prophètes qui vous prophétisent. Ils vous entraînent dans la vanité. Ils disent les visions de leur propre cœur. Comme tout à l'heure, je disais que le frère disait, oui, on va se faire frapper. On va se faire frapper. Maintenant, frère, ça, le mois de juillet passé là. Est-ce que c'est un vrai prophète ou un faux prophète ça? Mes frères et sœurs, ne répondez pas vous-même. Est-ce que c'est un faux prophète ou un vrai prophète? Vous me direz, oui, on peut se tromper. On peut se tromper, pas de problème. Mais quand on ne se repent pas publiquement, frères et sœurs, pour dire que c'était ma chair, on s'est trompé, on a donné une prophétie par rapport à la chair, par rapport à tout ce qu'on a pu entendre. Aujourd'hui, est-ce qu'il va faire cela, mes amis? S'il ne le fait pas, frères et sœurs, ben c'est quoi à votre avis? Comme tout à l'heure, j'ai dit, quand on se trompe, on doit dire au peuple, frères et sœurs, pardonnez-moi, je me suis trompé. Et c'est ce que le Seigneur aime. Car la parole dit que l'humilité précède la gloire et l'orgueil précède la chute. Mais comme ce chrétien-là est dans le mensonge au niveau public, ben ça m'étonnerait qu'il se repente publiquement, frères et sœurs. Parce que quand tu rentres dans le mensonge pour en sortir, c'est pire que la cocaïne. Comme beaucoup le savent, la cocaïne, la drogue, tout ça, quand tu touches à certaines drogues, tu deviens addict. Et pour en sortir, frères et sœurs, c'est compliqué. On voit aujourd'hui le monde, combien aujourd'hui sont dans la cocaïne et ont du mal à en sortir. Le mensonge, c'est pire que la cocaïne. Je vous dis la vérité. Donc pour en sortir là, mes amis, frères et sœurs, c'est compliqué. Donc ça m'étonnerait qu'ils se repentent publiquement. Oui, frères et sœurs, nous sommes en bonne santé, tout va bien, nous sommes en bonne santé, frères et sœurs. Nous ne sommes pas malades, on est en bonne santé. Yeshua est vivant, il est fidèle. Alléluia, frères et sœurs. Je bénis le Seigneur, mes amis. Waouh. On attendait juste le mois de juillet passé. On s'est dit, on attend le mois de juillet passé pour simplement passer ce message aux frères et sœurs, pour ne pas être trompé par des faux chrétiens, des manipulateurs, des chrétiens qui vont vous manipuler avec des prophéties qui viennent de leur cœur. Jérémie 23, 16. Ainsi parle Yahweh des armées. N'écoutez pas les paroles des prophètes qui vous prophétisent. Ils vous entraînent à la vanité. Ils disent les visions de leur propre cœur. Voilà combien de chrétiens, je reviens dessus, hein. Voilà, c'est la parole. Combien de chrétiens aujourd'hui, frères et sœurs, sont passés à côté de la vision qu'ils ont reçue du Seigneur parce qu'on leur a dit non, il faut faire comme ci, il faut faire comme ça, comme ci, comme ça. Frères et sœurs, c'est grave. Vous voyez, frères et sœurs? Vous voyez? Combien de chrétiens sont passés à côté, frères et sœurs, de l'appel du Seigneur, de l'œuvre que le Seigneur voulait accomplir avec eux parce qu'ils ont reçu des prophéties de prophètes, de dirigeants et ces visions venaient de leur propre cœur, mes amis. Vous voyez, frères et sœurs? Waouh! Vous voyez, frères et sœurs? N'écoutez pas les paroles des prophètes qui vous prophétisent. Ils vous entraînent à la vanité. Ils disent les visions de leur propre cœur et non ce qui sort de la bouche de Yahweh, mes amis. Waouh! Yahweh parle et on veut aller contre ce que Yahweh dit. Mais c'est impossible. Quand Yahweh parle, mes frères et sœurs, Yahweh accomplit ses œuvres. Aucun homme ne peut stopper l'œuvre de Yahweh, la parole de Yahweh. Aucun humain ne peut se dresser devant Yahweh et empêcher Yahweh d'agir. Voilà pourquoi nous voulons vous encourager, frères et sœurs, là où tu es dans ton pays, frères et sœurs, même si ton église se lève contre toi, je te dis la vérité, fais le travail que Jésus-Christ t'a demandé de faire, mes amis. C'est l'heure d'écouter l'agneau. C'est l'heure d'écouter le Fils de Dieu, mes amis, le Fils d'Élohim. C'est l'heure de l'écouter et d'être attentif à sa voix et d'accomplir les œuvres qui te dira d'accomplir. Pourquoi? Parce qu'il y a un grand peuple que le Seigneur veut libérer à travers toi. Parce que tu es son instrument. Alléluia, mes amis. Waouh! Ils disent des visions de leur propre cœur et non de ce qui sort de la bouche de Yahweh. Ils disent à ceux qui me méprisent, Yahweh a dit, vous aurez la paix. Et à tous ceux qui marchent dans la perversité de leur cœur, ils disent, il ne vous arrivera aucun mal. Voilà aujourd'hui les prophéties, frères et sœurs. Donc le Seigneur frappe les,
va frapper ceux qui essaient de pratiquer la justice, à savoir son église, vous voyez, frères et sœurs, son peuple, son armée, et tous ceux qui font le mal, qui mentent, qui trichent, qui font le péché, frères et sœurs, qui pratiquent le mal, il ne vous arrivera aucun mal. Dieu va vous justifier. Voilà la confusion, frères et sœurs. Vous voyez, frères et sœurs, Yahweh a dit, vous aurez la paix. Et à tous ceux qui marchent dans la perversité de leur cœur, ils disent, il ne vous arrivera aucun mal. C'est clair, hein? Donc ceux qui marchent dans le péché, les prophètes de malheur se lèvent pour leur prophétiser quoi? Il ne vous arrivera aucun mal. Mais c'est quel Dieu ça, mes amis, ça? C'est quel Dieu qui va parler comme ça, mes amis? En tout cas, ce n'est pas celui de la Bible. Je vous dis la vérité. Ça casse sa parole, frères et sœurs, et pour la justice et la vérité. Le Seigneur ne défend pas le péché. Jamais, mes amis. On fait le Seigneur menteur à travers sa parole, alors qu'il est justice. Oh oui, mes amis. Ce n'est pas un ripou. Comme on aime le dire, je le répète souvent, notre Seigneur Jésus-Christ n'est pas un ripou, il est juste. Waouh! Père, merci pour ta parole. Merci, Père de gloire, pour la liberté que tu nous donnes de prêcher ta parole, de parler haut et fort, papa, sans tremblement, sans peur, papa, mais d'annoncer ta parole, Père de gloire, avec force. Waouh! Alléluia, mes amis. Alléluia! Frères et sœurs, nous aimons la vérité, frère. Nous aimons Jésus-Christ de Nazareth. Waouh! Verset 18. Mais qui a assisté au conseil de Yahweh pour voir et entendre sa parole? Qui a été attentif à sa parole et l'a entendu? Voici que la tempête de Yahweh, la fureur va éclater, l'orage tourbillonne. Ils foncent sur la tête des impies. La colère de Yahweh ne retournera pas en arrière qu'elle n'ait agi et réalisé les desseins de son cœur. À la fin des temps, vous aurez la pleine intelligence. Je n'ai pas envoyé ces prophètes. Et ils courent. Dieu m'a dit, il frappe de porte en porte. Dieu m'a dit, il vous prophétise des choses. Dieu m'a dit. Il ne faut pas oublier, frères et sœurs, que le diable aussi voit nos vies. Le diable aussi connaît certaines choses de ton passé aussi. Vous voyez, frères et sœurs? Parce qu'aujourd'hui, beaucoup de chrétiens tombent dans il m'a dit toute ma vie. Comme on le voit aujourd'hui sur les réseaux, frères et sœurs, les prophètes aujourd'hui, dans nos chrétientés, frères, les prophéties, les chrétiens, ils aiment ça. Les chrétiens aiment plus les prophéties qu'ils aiment lire la parole du Seigneur et de garder les commandements du Seigneur, mes amis. Mais c'est la confusion. Vous voyez, frères et sœurs? Et le Seigneur dit, je ne les ai pas envoyés. Je n'ai pas envoyé ces prophètes. Ils courent. En fait, ils courent par eux-mêmes. Ils veulent prophétiser pour amuser la galerie. Et aujourd'hui, beaucoup de chrétiens qui sont dans le péché, la manipulation, le mal, frères et sœurs, vont prophétiser, frères et sœurs, alors que leur vie dans les coulisses, frères et sœurs, c'est dans les ténèbres, dans le chaos, mes amis. Et ces prophéties aujourd'hui, combien de chrétiens boivent des prophéties aujourd'hui, de dirigeants, de prédicateurs, de prophètes aujourd'hui, frères et sœurs, ils boivent de leurs prophéties, ils boivent ça. Oui, frères et sœurs, parce que beaucoup de chrétiens, pas tous, hein, mais beaucoup sont friands de prophéties, friands de tout ça. Alors que la parole dit quoi? Vous les reconnaîtrez à leurs fruits. Ah oui, mes amis. Voilà pourquoi si tu vois un chrétien qui te prophétise et que tu vois sa vie là, frère, ça, c'est, il y a le péché. Mon ami, ferme tes oreilles à ces prophéties. Ferme tes oreilles. Je te dis la vérité. Ferme tes oreilles. Ah oui. Je te dis la vérité. Ou je dirais plus, éprouver les esprits et aller demander au Seigneur. Seigneur, voici ce que j'ai reçu comme prophétie. Parle-moi, Seigneur. Vous voyez, frère et soeur, comme nous là, on a fait. Voilà pourquoi tu dois, éprouver les esprits. Vous voyez, frère et soeur? Waouh! La colère de Yahweh ne retournera pas en arrière qu'elle n'ait agi et réalisé les desseins de son cœur. À la fin des temps, voilà, je relis, vous en aurez la pleine intelligence. Je n'ai pas envoyé ces prophètes et ils courent. Je ne leur ai point parlé et ils prophétisent. Voilà aujourd'hui notre chrétienté aujourd'hui. Beaucoup de chrétiens prophétisent. Frères et sœurs, on est fatigués. On est fatigués, mes amis. On est fatigués. Prophétie sur prophétie. Il y a des prophéties que des chrétiens reçoivent. Tu seras ci, tu seras ça. Et ça fait 20 ans, ils sont toujours assis à la même place. Regardez bien, frères et sœurs. Voilà aujourd'hui notre chrétienté, frères et sœurs. Prophétie que tu reçois chaque temps de prière, prophétie. Et les mêmes prophéties que tu reçois ne produisent pas la vie, mes amis. Tu ne vois pas qu'il y a un problème, mes amis? Mais maintenant, il faut se poser la question.
Est-ce que c'est des prophéties qui viennent du Seigneur ou des prophéties qui viennent du cœur de l'homme? Oh oui, mes amis. Voyez? Alléluia, mes amis. Je ne leur ai point parlé et ils prophétisent. Je vous dis la vérité. Combien prophétisent aujourd'hui, frères et sœurs? Dieu m'a dit. Aujourd'hui, beaucoup de chrétiens basent leur vie chrétienne sur la prophétie. Vous voyez? Ils ne basent plus leur vie chrétienne sur la parole. Aujourd'hui, on parle avec beaucoup de chrétiens. Ils ne parlent qu'en prophétie. Songe, vision, prophétie. Frère, je vous dis la vérité. Quand tu entends un chrétien qui t'appelle au téléphone, ou un chrétien que tu rencontres, qui te parle que de prophétie, que de vision, que de songe, j'ai vu que, j'ai su que, j'ai senti que. Frère, en fait, prends tes jambes à ton cou là. Quand tu vois pas un chrétien qui te parle de la sanctification, la vérité, l'humilité, la repentance, tout ça, frère et sœur, comment dire, en fait, et que, frère, prends tes jambes à ton cou. Quand tu vois un chrétien qui ment, tu le sais qu'il ment, parce que beaucoup de chrétiens aujourd'hui voient le mensonge et disent amen. Mon ami, vous êtes dans la compromission, tu n'es pas un prophète. Beaucoup veulent être prophète. Oh, t'es prophète de quoi, mon ami? Beaucoup se disent être prophète, t'es prophète de quoi? Un prophète qui est incapable de parler? Un prophète qui prend part au péché? Un prophète qui est incapable de dénoncer le péché parmi ses frères et sœurs dans son église, son assemblée? T'es prophète où, mon ami? Vous voulez savoir c'est quoi un prophète? Allez voir Jérémie, allez voir Jésus-Christ, allez voir Paul, allez voir les apôtres, allez voir l'église primitive. Vous voulez savoir c'est quoi un vrai prophète? Allons voir les Écritures, mes amis. Justement, là, on est dans Jérémie. Beaucoup pensent qu'être prophète, c'est quoi? C'est, comment dire, c'est prendre l'argent des gens, c'est contrôler les gens, avoir un peuple sous leur domination. C'est pas ça être prophète. Être prophète, mes amis, c'est parler de la part du Seigneur, c'est annoncer la parole de vie et que les hommes et les femmes puissent se repentir, être sauvés et suivre l'agneau. Et non que des hommes et des femmes soient sous notre coupe, soient comment dire, nos esclaves, mais qu'ils soient, comment dire, qu'ils aillent vers l'agneau. Oui, frère et soeur, voilà le travail aujourd'hui que les prophètes de notre génération doivent accomplir, c'est de parler de la part du Seigneur, c'est d'enseigner le peuple du Seigneur et de libérer le peuple du Seigneur. C'est ça le prophète, frère et soeur. Beaucoup veulent prophète. Vous savez c'est quoi un prophète, mes amis? Un prophète, c'est pas un menteur. Un prophète, c'est pas un voleur. Un prophète n'est pas dans les insultes. Un prophète n'est pas dans la haine. Un prophète, frère et soeur, a le cœur de l'agneau, a le cœur de l'époux, mes amis. Alléluia, mes amis. Alléluia. Un prophète du Seigneur n'est pas dans l'adultère, n'est pas dans la drague, à draguer les femmes. Un prophète du Seigneur, frères et sœurs, il craint la parole de Yeshua de Nazareth, mes amis. Vous voyez, frères et sœurs? Oh, mes amis, je vous dis la vérité. Un prophète ne va pas regarder les fesses des femmes ou les seins des femmes, comme beaucoup aujourd'hui. On regarde les seins des femmes aujourd'hui, frères et sœurs. C'est grave. Vous voyez, frères et sœurs? Des prophètes aujourd'hui, frères et sœurs, qui convoitent les femmes d'autrui. Voilà ma génération, mes amis. Frère, c'est grave. On fait des clins d'œil aux femmes avec les yeux. Frère, c'est grave. Voilà notre génération, frères et sœurs, dans le péché, mes amis. Oh Seigneur Yeshua, Jésus-Christ de Nazareth. Voilà pourquoi nos pays, nos îles, nos pays, nos nations ont besoin que l'Église puisse parler. Ont besoin que les chrétiens puissent briller, frères et sœurs, tels des flambeaux, parce que les ténèbres, frères et sœurs, sont en train de s'abattre sur la terre et très peu aujourd'hui sont capables de prendre position pour la vérité, pour Jésus-Christ de Nazareth, mes amis. Oh, mes amis, c'est grave. Il dit, je ne leur ai point parlé et ils prophétisent. Voilà aujourd'hui comment ils prophétisent aujourd'hui, frères et sœurs, pour contrôler vos vies. Donc si ce chrétien-là, frères et sœurs, on aurait écouté sa prophétie, mon frère et sœur, on aurait été contrôlé, manipulé. Mais comme nous voulons nous attendre au Seigneur, on s'attend à la parole du Seigneur, et bien on examine toute chose, et bien le Seigneur nous a parlé. Il ne va jamais dire la dernière fausse prophétie. On va être frappé en juillet. Frappé de quoi en juillet, frère? Juillet passé, là, mes amis. Oui, frère et sœur. On est en bonne santé, il n'y a pas de maladie, on est en bonne santé, on est mariés, fidèles à nos femmes, on ne trompe pas nos femmes. Depuis notre conversion, on ne touche pas d'autres femmes. Vous comprenez, avant d'être dans le péché, c'est sûr, avant notre conversion. Mais depuis qu'on est converti, on ne drague pas des femmes. On ne touche pas la femme d'autrui. Par la grâce du Seigneur, nous chrétiens, les vrais chrétiens, je ne veux pas dans les nations parce que je ne suis pas le seul. Voilà le chrétien véritable, il n'est pas dans les magouilles, il n'est pas dans le mensonge, le péché, frère, c'est le chaos. Oh mes amis, voilà pourquoi toi chrétien qui entends cette parole, le Seigneur te dit que lorsque tu vas prendre position pour sa parole, ne t'attends pas à être acclamé. Je te dis la vérité dérange,
mes amis. La vérité est une puissance. La vérité, frères et sœurs, fait des dégâts. La vérité, frères et sœurs, libère nos cœurs du péché. Voilà pourquoi nous sommes libérés grâce à Jésus-Christ, parce qu'il est la vérité. Ils ont essayé de cacher sa résurrection, mais n'ont pas réussi. Parce que la vérité, on ne peut pas le cacher, mes amis. On ne peut pas cacher la vérité. La vérité triomphe toujours. Waouh! Et je crois qu'aujourd'hui, si nous les chrétiens, on devait régler nos problèmes devant les juges de ce monde, beaucoup auraient pris perpète. Je vous dis la vérité. Beaucoup de chrétiens auraient pris perpète. Oh Seigneur. Mais la parole nous dit, on ne peut pas les, devant le monde pour juger les affaires. Mais je crois que vraiment, si on devait aller devant les juges pour juger les affaires chrétiens, parce qu'aujourd'hui dans notre chrétienté, très peu sont capables de juger les choses. Beaucoup de chrétiens, aujourd'hui le rôle de l'église c'est quoi? C'est de trancher aussi, mais l'église ne peut plus parler. L'église n'arrive même plus à parler. C'est grave. Le monopole de la parole est réservé à un groupe de chrétiens. Mais les autres chrétiens aujourd'hui, ils n'ont plus le verbe, ils n'ont plus la parole, ils n'ont plus l'esprit, frère. C'est grave. Alors que le Seigneur est mort sur la croix pour tous nous faire entrer dans le royaume. Entrer, frère et soeur, dans ce royaume de lumière, frère et soeur. Nous a transporté dans le royaume de son fils d'amour. Donc nous sommes tous dans le royaume. On a tous accès auprès du Père. Et le Seigneur est notre Père, frères et sœurs. Il n'y a pas de hiérarchie dans le royaume du Seigneur. Frères et sœurs, c'est Jésus-Christ, la tête de l'Église. Et quand il n'y a pas d'ordre dans l'Église, tous les membres doivent parler, se lever et parler. Et j'ai même encouragé les chrétiens dans les nations qui voient le péché, le mal qui se fait dans l'église et qui tremble. Je vous dis la vérité, c'est le moment de parler, mes amis. C'est le temps de vous lever et de parler. Voilà la mission que le Seigneur donne à l'église. Nous devons parler, mes amis, et annoncer le mal qui se fait dans l'église. Parce que beaucoup de chrétiens souffrent, beaucoup pleurent et sont détruits et tombent dans le péché et retournent dans l'enfer encore, frères et sœurs. Pourquoi? Parce que l'église n'a pas su parler, l'église n'a pas su agir. Et beaucoup de chrétiens se tombent en défaillance, frères et sœurs, et c'est le chaos. Beaucoup de foyers sont brisés, de familles sont divisées, brisées, frères et sœurs, à cause des chaos qui se font aujourd'hui dans l'église, mes amis. Qui parlera, mes amis? Qui va parler? Si le Seigneur nous sort du monde, frères et sœurs, nous fait passer par des combats qu'on peut vivre même dehors dans l'évangélisation, frère, on va parler. Hein. Voilà pourquoi aujourd'hui, qu'on salisse nos noms, qu'on dise un tel, un si, ça, frère, on va prêcher la vérité. Ça ne va pas nous dissuader de prêcher la Bible. Alléluia, Seigneur. Waouh. On va parler. Nous qu'est parler en créole, Mimi. Pourquoi? Parce que, qu'est-ce que dit le Seigneur? Il dit quoi là dans sa parole, frères et sœurs? Oh oui. Il dit quoi? Il est le chemin, la vérité et la vie. Oh oui, la vérité et la vie. Vous voyez? Je ne leur ai point parlé et ils prophétisent. Voilà le cas de beaucoup de chrétiens aujourd'hui. Donc je crois que ce message, frère, ça va encourager beaucoup de chrétiens qui tremblent, qui ont peur dans leurs églises aujourd'hui, frères et sœurs, qui sont contrôlés, manipulés. Et ce message, partagez-le dans toutes vos églises. Alléluia, bon Dieu fidèle. Verset 22. S'ils avaient assisté à mon conseil, ils auraient fait entendre mes paroles à mon peuple. Et ils les auraient ramenés de leur voie mauvaise, de la méchanceté de leurs actions. Ne suis-je un Dieu que de près? Et ne suis-je pas aussi un Dieu de loin? Un homme peut-il se cacher dans des cachettes sans que je le voie? Voilà ce qui me fait trembler aujourd'hui. Beaucoup de chrétiens aujourd'hui, frères et sœurs, vont mentir. Voilà. Pratiquent le péché, le mal. Et le Seigneur les voit dans leur cachette. Le Seigneur les voit dans leur cachette, frères et sœurs. Oh oui, mes amis. Il te voit, il nous voit dans nos cachettes. Partout où nous sommes, le Seigneur nous voit. Il nous voit, il nous voit, il nous voit, il nous voit, frères et sœurs. On ne peut rien lui cacher, mes amis. Vous voyez, frères et sœurs? On ne peut rien cacher au Seigneur. Est-ce que le ciel et la terre, je ne les remplis pas? Moi, voilà, il dit, voilà. J'ai entendu ce que disent ces prophètes qui prophétisent en mon nom des mensonges. Oh Seigneur Yeshua. C'est un verset que je n'avais pas lu depuis longtemps. Je vous dis la vérité. Mais là, c'est comme si tu vois ça autrement.
Donc en fait, l'époque de cette époque-là, frères et sœurs, comme dit la parole, il n'y a rien de nouveau sous le soleil. J'ai entendu ce que disent ces prophètes qui prophétisent en mon nom des mensonges. Waouh, donc il y a des prophètes qui prophétisent le mensonge. Il n'y a rien de nouveau sous le soleil. Ce qui a été sera encore, mes amis. Beaucoup s'appellent prophètes, mais ils prophétisent le mensonge, comme on vous l'a démontré plusieurs fois. Voilà pourquoi aujourd'hui, frères et sœurs, on va dénoncer encore, on va encore prêcher la parole. L'heure est grave, frères et sœurs. Ah oui, mes amis. J'ai entendu ce que disent ces prophètes qui prophétisent en mon nom des mensonges en disant « J'ai eu un songe. » Voilà les faux prophètes d'aujourd'hui. « J'ai eu un songe. J'ai vu ci. J'ai vu ça. J'ai vu ci. J'ai vu ça. » Mais ils ne voient pas que... Ils ne voient jamais de songe. Le Seigneur leur montre leur état de mensonge. Vous voyez, frères et sœurs? Leur état de mensonge. Je vous dis la vérité. Si on a péché nous-mêmes, on va se aussi... On se dénoncera aussi. Vous voyez, frères et sœurs? C'est ça le chrétien, vous voyez. Donc on n'est pas là pour... Nous on parle des faits bien spécifiques. Le chrétien doit parler des faits bien spécifiques et pas aller chercher des choses hors contexte, tout ça. On parle des faits bien spécifiques. Des chrétiens aujourd'hui disent, j'ai eu un songe. Je crois que ce message va encourager tous les chrétiens. Je vous dis, frère, on va parler. Hein. Donc n'ayez pas crainte pour nous, oui. On va prêcher la Bible. Oh oui, mes amis. Si l'église primitive a prêché la Bible et ont été frappés par les pharisiens au point où on leur a dit fermez votre bouche, taisez-vous, frère, on va parler en ce nom-là, mes amis. On va travailler en ce nom-là, au nom de Jésus-Christ de Nazareth, Yeshua Mashiach. J'ai eu un songe, voilà aujourd'hui notre chrétienté. J'ai eu un songe. Aujourd'hui, frères et sœurs, je vous dis, ça parle que en songe. J'ai eu un songe, une vision, un songe. Et le Seigneur ne leur dit pas qu'il faut les travailler. Parce que beaucoup de chrétiens aujourd'hui ne travaillent pas. Vous voyez, frères et sœurs, refusent de travailler, frères et sœurs, alors que le Seigneur était charpentier. Le Seigneur travaillait, Paul travaillait. Aujourd'hui, notre chrétienté ne veut pas travailler. Beaucoup de prédicateurs ne veulent pas travailler. Ils veulent, comment dire, frères et sœurs, vivre d'une manière sous la coupe des chrétiens. Sous la coupe des frères et sœurs, à prendre des billets de banque ici et là, frères et sœurs, sous la main des chrétiens. Et refusent d'aller travailler pour gagner leur pain, mes amis, de la sueur de leur front. Et dans les coulisses, frères et sœurs, ça prend l'argent des frères et sœurs dans les coulisses, ça prend des choses dans les coulisses, dans les mains des frères et sœurs. Frère, c'est le chaos. Voilà aujourd'hui notre chrétienté, frères et sœurs, des chrétiens aujourd'hui qui prennent la Bible pour en faire leur gagne-pain, qui prennent la parole du maître pour en faire leur gagne-pain et assujettir le peuple, frères et sœurs, à leur coupe. Frère, c'est grave. J'ai entendu ce que disent ces prophètes qui prophétisent en mon nom des mensonges en disant j'ai eu un songe. Frère, si on devait parler encore, frère, je crois que on va rester. Ça, c'est un détail que j'ai soulevé tout à l'heure. On va pas s'éterniser là-dessus parce qu'on veut vraiment rester sur la parole et vous montrer en fait qu'il n'y a rien de nouveau sur la terre, frère et soeur, que tout ce qui a été sera encore. Et je crois que nous devons, frère et soeur, être des hommes et des femmes qui suivons la parole du Seigneur. Vous comprenez? Et de ne pas être dans les sentiments, de ne pas rester sur les songes, sur le surnaturel. Voilà pourquoi aujourd'hui, beaucoup de chrétiens aujourd'hui se font avoir aujourd'hui par des fétiches dans leur chrétienté. C'est le chaos, frères et sœurs. Des chrétiens aujourd'hui qui se font avoir par des pasteurs qui ont des fétiches sur eux, frères et sœurs. Et ça, c'est le chaos, frères et sœurs. La chrétienté est malade. Et le Seigneur est en train de sonner la trompette dans l'église pour nous réveiller afin qu'on revienne au bon berger. Alléluia. Et dit verset 26, jusqu'à quand veulent-ils ces prophètes qui prophétisent le mensonge, ces prophètes de l'imposture de leur cœur, pensent-ils faire oublier mon nom à mon peuple pour les rêves qu'ils se racontent les uns aux autres? Vous voyez, les rêves. Frère et soeur, c'est grave, frère et soeur. Je vous dis la vérité, c'est chaud, frère et soeur, c'est chaud. Pour les rêves qu'ils se racontent les uns aux autres, comme leur père ont oublié mon nom pour Baal. Que le prophète qui a eu un songe raconte ce songe. Que celui qui a ma parole rapporte fidèlement ma parole. Waouh. Cas de commun la paille avec le froment. Verset 29. Ma parole n'est-elle pas comme un feu, comme un marteau qui brise le roc? Voilà la parole du Seigneur. C'est un marteau, mes amis. Voilà pourquoi on va parler, frère. Ça va tout casser. C'est le marteau, c'est la parole,
ça casse tout, mes amis. C'est la parole, c'est le feu. C'est cette parole, frère, que nous voulons prêcher, qu'on veut, comment, qu'on a adhéré. Cette parole, frère et soeur, qui n'est pas dans la compromission. Parole de feu, de gloire, frère et soeur, qui est glorieuse. Alléluia, mes amis. Nous allons, frère et soeur, nous voulons prêcher la Bible. Verset 30. C'est pourquoi, voici, je viens à ces prophètes qui se dérobent mes paroles les uns aux autres. Voici que je viens à ces prophètes qui agitent leur langue, qui disent « Oracle de Yahweh, voici que je viens à ceux qui prophétisent des songes menteurs. » Oh Seigneur, je ne sais pas, frère, ce qu'on lit ce soir-là, ce n'est pas par hasard, mes amis. Là, il y a plein de choses là-dedans que je, frère, que je ne voyais pas comme ça, mais je crois que ce soir, le Seigneur est en train de faire quelque chose de ah, c'est terrifiant. Voici, on va lire la parole, frère et soeur, je vous dis la vérité. Oh oui, mes amis, oh oui, oh oui, oh oui, oh oui. Voici que je viens à ceux qui prophétisent des songes menteurs. Oh là là, mes amis, voilà ce qui règne dans l'église, le mensonge. Qui les raconte, qui égare mon peuple par leurs mensonges et par leur extravagance. Oh Seigneur Yeshua, je ne les ai point envoyés, je ne leur ai rien commandé. Ils ne servent de rien à ce peuple. Quand ce peuple ou des prophètes ou prêtres t'interrogent en ces termes, quel est le fardeau de Yahweh? Tu leur répondras, c'est vous qui êtes le fardeau et je vous rejeterai. Et le prophète, le prêtre ou l'homme du peuple qui dira, fardeau de Yahweh, je visiterai cet homme et sa maison. Voici comment vous parlerez l'un à l'autre et chacun à son frère, qu'a répondu Yahweh et qu'a dit Yahweh. Mais vous ne répéterez plus fardeau de Yahweh, car le fardeau de chacun sera sa parole. Parce que vous tordez les paroles du Dieu vivant, de Yahweh, des armées notre Dieu. Beaucoup tordent la parole, frère, je vous dis la vérité. Frère, ça tord la parole. Mes frères et sœurs, mais je crois que le Seigneur, il est fidèle. Il est mort sur la croix pour son peuple. Je crois qu'il est fidèle. Il sait tout ce qu'il fait, frères et sœurs. Oh oui, mes amis. Oh oui, oh oui, oh oui. Et nous, on va continuer le travail que le Seigneur nous demande de faire, à savoir évangélisation des nations. Alléluia. Car une vision qui vient du Seigneur ne peut pas être éteinte, tuée, détruite par aucun humain. Voilà pourquoi toi qui es l'Église, la vision que tu as reçue, elle ne peut pas s'éteindre si elle vient d'en haut. Personne ne peut l'éteindre. Je vous dis la vérité, plus elle sera combattue par les hommes, plus le Seigneur va se glorifier, plus sa gloire va se manifester, plus sa puissance, plus sa parole sera proclamée. Je vous dis la vérité, frères et sœurs, et des cœurs seront libres. Je vous dis la vérité. Voilà pourquoi toi qui souffres, ne laisse pas la vision que tu as reçue. N'abandonne pas la vision que tu as reçue d'en haut. Le Seigneur va se glorifier dans ta vie puissamment, mes amis. Alléluia. Waouh, 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 waouh. Oh Seigneur Jésus-Christ de Nazareth. Ne dites plus fardeau de Yahweh à cause de cela. Verset 39. À cause de cela, voici que je vous oublierai entièrement et que je vous rejeterai devant ma face. Vous et la ville que j'avais ordonnée à vous et vos pères, et je ferai venir sur vous un opprobre éternel, une honte éternelle qui ne s'oublieront jamais. Voilà, frères et sœurs. Donc ne crains pas les hommes ou les femmes qui se lèvent pour t'annoncer des prophéties bizarres, frères et sœurs. Et voilà. Et tu dois vraiment éprouver les esprits. Si on te dit, ouais, ta femme c'est un tel, frère et sœur, va voir le Seigneur. Si on t'a dit, tu dois faire tel travail, va voir le Seigneur. Je vous dis la vérité. Le Seigneur doit tout te confirmer. Je te dis la vérité. Il doit te confirmer tout ce que, voilà, qu'on te prophétise. Ne t'empresse pas à vouloir faire des choses parce que tu as entendu une prophétie, etc. La Bible dit qu'il faut éprouver les esprits. Je vous dis la vérité. Il faut éprouver, mes amis. Si ce que tu entends, si ce qu'on te prophétise ne correspond pas avec ce que le Seigneur t'a dit dans le secret, je te dis la vérité, ne le fais pas, ne l'accepte pas, mes amis, de peur de passer à côté de l'œuvre du Seigneur, de l'œuvre que le Seigneur veut accomplir dans ta vie. Sinon, tu risques de passer à côté, et je te dis la vérité, de devenir esclave. Esclave des hommes et de leurs prophéties, mes amis. Leurs prophéties mensongères. Et le Seigneur te parle ce soir, il te dit ce soir, mon frère, ma soeur, que tu dois regarder à sa parole et éprouver les esprits. Ne fais rien par esprit de parti. Ne fais rien parce qu'on t'a poussé à le faire.
ne pousse rien parce qu'on t'a dit de le faire. Fais toutes choses selon Jésus-Christ de Nazareth. Parce que c'est pour la liberté qu'il t'a affranchi et non pour que tu deviennes encore esclave des humains. Tu comprends, frère et sœur? Donc, alléluia. Donc, voilà, je bénis le Seigneur pour ce partage. Donc, on voulait vraiment partager sur tous ces faits, frère et sœur. On veut vraiment prêcher ce qu'on vit. Hein. On ne peut pas vous raconter des choses qu'on ne vit pas non plus. Sinon, quel intérêt de vous prêcher des choses que nous ne vivons pas? Et on le croit, hein. Paul a prêché ce qu'il a vécu. Les apôtres ont prêché ce qu'ils ont vécu. Joseph, pareillement. Jonas, pareillement. Jérémie, pareillement. Donc, en fait, la Bible, en fait, c'est une vie, en fait, frères et sœurs. C'est une vie. Donc, aujourd'hui, beaucoup de personnes s'improvisent prédicateurs, mais ne vivent pas une seconde de ce qui est écrit dans la parole, frères et sœurs. C'est des chrétiens de bâtiment, des chrétiens de dimanche. Voilà, frères et sœurs. Des chrétiens qui ne vont pas en mission pour le Seigneur, qui ne prennent pas un billet d'avion pour aller dans tel pays pour faire le travail du Seigneur. Et aujourd'hui, les chrétiens, aujourd'hui, ben, ils sont cantonnés à leur bâtiment d'église. Chaque dimanche, chaque week-end, ils sont cantonnés à se prophétiser les uns sur les autres. Et aucun ne se lève pour aller conquérir un pays, conquérir une ville, conquérir quelque part. Ils sont cachés parce qu'ils ont peur. Ils ont peur des regards, peur des dires. Il n'y a plus l'esprit aussi. Et beaucoup ont peur. Beaucoup n'agissent plus pour le royaume. C'est devenu, frères et sœurs, un club qui n'est plus... un club, je dirais, qui n'a rien à voir avec la Bible, en fait, en vérité. La Bible, en vérité, frères et sœurs. Donc, frères et sœurs, en tout cas, ceux qui ne nous connaissent pas, soyez bénis, fortifiés, que ce message que tu as entendu puisse t'encourager, te fortifier. Et je crois que ce message aussi va t'annoncer ce que tu vivras, parce que lorsqu'on vient au Seigneur, tout n'est pas rose. Il y a des combats, des persécutions. Au début, tout paraît beau, mais laisse-moi te dire que lorsque le Seigneur commence à te tailler et à te former, tout ça, frères et sœurs, je te dis la vérité, les combats commenceront. Et la Bible nous dit encore qu'un prophète n'est jamais bien reçu dans sa patrie. Donc ne t'attends pas à être bien reçu dans ton pays, à être bien reçu dans ta ville, bien reçu là où tu es. Où la Bible dit encore malheur à toi, malheur à nous en gros, si tout le monde dit du bien de nous. Donc ça c'est encore un chaos. Donc si tout le monde t'acclame, là il faut se mettre en question. Tu es dans le péché, tu es dans le mensonge, tu mens, tu fais plein de péchés et on t'acclame. Mais là franchement, là c'est encore plus, c'est grave. Et les gens, beaucoup de chrétiens se confortent dans cela parce que les gens les acclament. Et ça les conforte encore à demeurer dans leurs œuvres. Mais le Seigneur a un temps, le Seigneur, frères et sœurs, revient. Voilà pourquoi nous, chrétiens, nous devons nous mettre en règle avec la parole du Seigneur. Donc ce message n'est pas pour condamner personne. Ce message est simplement là pour nous éclairer et nous avertir de ce qui a été auparavant et de ce qui sera encore aujourd'hui, frères et sœurs. Donc les temps n'ont pas changé. Le Seigneur n'a pas changé, frères et sœurs. Il prend des ânes, il prend des pierres, il prend tout ce qu'il veut pour parler dans notre génération. Et le Seigneur dit dans sa parole que tout ce qui est élevé dans ce monde est une abomination devant lui, frères et sœurs. Donc tout ce que le monde acclame, tout ce que le monde élève, frères et sœurs, est une abomination devant lui, frères et sœurs. Je vous dis la vérité, les serviteurs du Seigneur aujourd'hui, frères et sœurs, il faut les voir comme à l'église primitive. Nous voulons savoir c'est quoi un serviteur du Seigneur? Allons regarder à l'église primitive. Vous voyez, frères et sœurs, l'église primitive, frères et sœurs, était ferme dans la vérité. Des chrétiens qui étaient fermes dans la vérité, la justice, l'honnêteté. Ils n'étaient pas frères dans le mensonge, à part, on a vu Ananias et Saphira qui ont été frappés parce qu'ils ont menti, frères et sœurs. Et aujourd'hui, frères et sœurs, je vous dis la vérité, on se rend compte de plus en plus que le mensonge est un fléau majeur dans l'église. Et si le Seigneur, dans sa parole, dit que le diable est le père du mensonge, eh bien, nous comprenons aujourd'hui, frères et sœurs, pourquoi l'état du monde est comme ça aujourd'hui, frères et sœurs. Aujourd'hui où beaucoup sont dans le mensonge, le monde et même dans l'église, frères et sœurs, se retrouvent dans le mensonge, frères et sœurs. Et ça, c'est un péché qui va faire rater le ciel à beaucoup de chrétiens. Je vous dis la vérité, tu leur demandes quelque chose, ils vont dire oui, ils vont dire non. Ils vont pas répondre selon la vérité et ils vont mentir pour s'échapper. Et c'est quelque chose qu'on va dénoncer encore, je vous dis, de plus en plus à travers nos partages, nos enseignements. Il n'y a pas que le mensonge, mais il y a tellement de péchés aujourd'hui, frères et sœurs. L'idolâtrie, l'adultère, la haine des pensées impures, la masturbation, la pornographie, le fraude, les fausses déclarations à l'État. Frère, il y a tellement de péchés, frère et sœur, que le Saint-Esprit, dans ces temps de la fin, est en train de plus en plus de nous éclairer, de nous montrer, frère et sœur, que se passe aujourd'hui dans l'Église. Et c'est grave. Des fausses déclarations, alors n'en parlons même pas, frère et sœur, combien aujourd'hui sont dans des fausses déclarations pour voler l'argent de l'État. Frère, je vous dis, il y a des choses, frère, même qu'on dit ce soir-là, que beaucoup sont dedans. Je vous dis, beaucoup sont dedans. Des fausses déclarations, ça déclare des choses fausses. Ça ment, ça triche, ça,
ça insulte les policiers, ça insulte les gens. Il y a le racisme. Combien sont racistes aujourd'hui, mes amis? Je vous dis la vérité. Un jour, on ouvrira une parenthèse sur le racisme. Combien de chrétiens aujourd'hui, frères et sœurs, sont dans le racisme? Alors, n'en parlons même pas. Alors que la parole dit quoi? D'aimer son prochain comme soi-même. Ah oui, mes amis. Donc, frères et sœurs, soyons fous du Seigneur, fous amoureux de Jésus-Christ. Et nous sommes dans un temps où il faut des fous. Il n'y a plus de fous. Il faut qu'on soit fous, frères et sœurs. Et je crois que le Seigneur est en train de nous communiquer sa folie. Pas une folie du monde, mais la folie d'en haut. La folie du royaume des cieux, mes amis. Alléluia, frères et sœurs. Donc, bonne soirée tout le monde. À bientôt, soyez bénis. Que bon dimanche, les autres. Et on bénit les frères et sœurs de tous les du Canada notamment, de la Guadeloupe. Voilà, on a passé vraiment, nous sommes en train de passer vraiment de beaux moments dans la mission, frères et sœurs. C'est vraiment encourageant. Voilà, et voilà, c'est très encourageant, frères et sœurs, de pouvoir bouger. Et c'est une grâce, en fait, en vérité, frère, d'aller ici et là. C'est une grâce. Et on bénit le Seigneur, frères et sœurs, pour l'œuvre que, enfin, pour vos prières aussi, frères et sœurs, et pour le soutien par rapport à l'œuvre que nous faisons. Merci aussi pour les dons que vous nous envoyez aussi pour que l'œuvre se fait aussi. Parce que l'œuvre se fait aussi par vos prières, aussi par les dons que vous faites. Et on bénit le Seigneur, frères et sœurs, de tout ce soutien que vous faites. Et on vous rassure que tous les dons que nous recevons sont utilisés pour l'œuvre du Seigneur, pour le royaume du Seigneur et pour faire la mission que le Seigneur nous demande de faire tout simplement dans sa paix et dans sa simplicité pour que l'évangile du royaume puisse se répandre jusqu'aux extrémités de la terre. Donc avec la force que nous avons, voilà le travail que nous essayons de faire, d'aller ici et là, frères et sœurs, crier, annoncer le Seigneur Jésus-Christ. Parce que si nous restons fermés dans nos églises toute l'année, frères et sœurs, mais qui va parler dans... Qui parlera? Qui enverrai-je, Dieu le Seigneur? Qui enverrai-je? Voilà le problème dans l'église, frères et sœurs. Beaucoup, je vous dis. Et aujourd'hui, beaucoup d'églises sont devenues des sectes, sont devenues des endroits, des lieux de pèlerinage, des lieux, frères et sœurs, où il y a plus, comment dire, cette œuvre-là où les chrétiens sont envoyés dans la mission, dans l'évangélisation. L'église aujourd'hui n'évangélise plus, frères et sœurs. C'est devenu le chaos. Ou bien s'ils évangélisent, c'est pour les ramener dans leur église, écouter leurs dirigeants, leurs pasteurs. Mais très peu aujourd'hui, frères et sœurs, se lèvent aujourd'hui et vont ici et là, frères et sœurs, dans les contrées, dans les villages, dans les pays, annoncer le Seigneur. Il y a tellement de doctrines, de dogmes, de traditions qui sont rentrées que ça a étouffé la vie, étouffé la parole du Seigneur. Et de ce fait, frères et sœurs, les humains, notre génération, je le crois, le verra, mais par rapport à ce que nous voyons dans l'église aujourd'hui, eh bien, la Bible nous dit quoi? Que la création attend attend la révélation des fils dans les fils du Seigneur, frères et sœurs. Oh oui, le monde attend la révélation des fils et des filles du Seigneur. Donc, frères et sœurs, nous devons nous concentrer sur le Seigneur. Donc, soyez bénis, frères et sœurs. Voilà, le Seigneur fidèle, il est bon. Bon Dieu fidèle. À bientôt, frères et sœurs. Voilà. Et bon, de belles choses arrivent. De très belles choses arrivent par la suite. Et au fur et à mesure, vous les découvrirez. Pour l'édification du corps du Seigneur Jésus-Christ de Nazareth. À bientôt, frères et sœurs.